tourne. Et bonjour à tous et bienvenue sur l'émission numéro 2 de Shot On Live. Alors aujourd'hui, on est 5 en live avec vous. On a donc Barnes en premier. Bonjour Barnes. Bonjour. Bonjour. Après, nous avons Niao, maître des Green Angel, qui est avec nous ce soir. Ouais, bonsoir tout le monde. Et après, nous avons Boys, qui est en direct sur la vidéo, vous pouvez le voir, qui va nous présenter donc les 9 premiers trous de Gleiger ce soir. Salut Boys. Salut tout le monde, salut Sangha. Et voilà, et pour finir, nous avons Pierre Max 2, notre SOM de choc, qui est venu rejoindre Barnes ce soir pour l'accompagner pour les commentaires. Salut. Bonsoir à tous. Voilà, voilà. Donc ce soir, on va commencer... On vient d'en perdre un. Pierre Max qui vient déjà de se déconnecter. Et bon, il est de retour. Ouais, je suis de retour. Donc, ça y est, les problèmes techniques commencent, on va pas s'en sortir. Raconte-nous le programme de la soirée. Alors, le programme de la soirée, donc comme je viens de le dire, on va commencer avec Boys direct, qui va nous présenter donc les 9 premiers trous de Gleiger, qui sont pas faciles, hein, je peux vous le dire, hein, par expérience, j'ai essayé un peu, c'est une catastrophe, donc ça va me servir beaucoup à moi aussi de voir comment il fait. Après, donc, nous allons avoir une petite interview avec Niao, qui va nous présenter donc sa guilde, les Green Angels, et un peu aussi, il paraît qu'il a fait un tournoi interguild assez sympa, donc il va nous en parler aussi, je pense. Oui. Et puis après ça, on va faire le tirage au sort de la loterie pour les CC à gagner sur Volcano. Donc on va tirer au sort les 10 euros gagnants qui vont repartir avec des CC avant le week-end. Donc, c'est-à-dire demain, les 10 persos, quoi. Donc, t'es 10 persos, ouais. Voilà, et puis après, il y aura dans. Tu seras crédité. De... Désolé. Tu seras crédité. Mais c'est bien de le préciser parce que ça voudrait dire que, avec le règlement, tu recevras donc 18 000 CC, mais tu recevras aussi 10 bans consécutifs. Un petit ban. Voilà, un petit ban, un petit cadeau. Un petit cadeau de fin de mois de novembre. Non, c'est pas mon style. Rien à craindre. Donc voilà, donc on va faire le tirage de la loterie, puis après on reviendra un peu sur les news, le contenu de la dernière maintenance, ce qui va arriver un peu en décembre. Je vais vous montrer un peu, j'ai un des costumes en avant-première, je vais pouvoir vous montrer ça. Je pense qu'il y en a quelques-uns après la maintenance qui ont pu me voir courir sur le square avec mon joli costume. Donc vous allez voir, il est assez marrant, moi ça, il m'a fait beaucoup rire la première fois que je l'ai vu, je pense que ça vous fait rire aussi. Et puis voilà, puis après, si on a encore un peu de temps, on répondra à quelques questions sur le square. Et voilà, je pense qu'on aura fait le tour. Bah, voilà. Parfait tout ça. Donc parfait, voilà, parfait. Donc, pour commencer avec juste la présentation du personnage qui se prénomme Boys. Là, il joue ce monsieur avec une stat à 200 de talent pour vous donner une idée du personnage. Donc il faut avoir une certaine puissance pour pouvoir accéder à ce qu'il fait. 35 en puissance et 40 en précision. Ça vous donne l'idée complète de ce qu'il joue. Et voilà, ouais. Donc avec une météo qui sera pas sympa d'entrée. J'ai les mêmes stats. Voilà, donc ça c'est à cause de Barnes, hein. Le chat noir des SOM. Quel est l'intérêt? On se l'est dit hier, quel est l'intérêt de montrer un si beau parcours avec une météo avec zéro de vent? Il n'y a pas, c'est trop facile après. Ah, il faut un peu de challenge. J'aimerais utiliser, c'est ça. Hein. Exactement. Voilà. Plusieurs façons de jouer. Énormément craint, et Pierre peut bien en parler parce que depuis peu, monsieur Pierre Max fait du Gleiger en mastery avec donc, c'est-à-dire sans la cible qui va autour avec Boys et d'autres personnages. Donc, ils ne veulent plus 4 parce que 4 c'est trop facile maintenant. Oh non, on n'a pas dit ça. Je plaisante, parce que c'est vrai que pour le changement, c'est sympa. Plus d'expérience, quoi. Non, c'est chaud, c'est pour prendre beaucoup plus d'expérience, quoi. Et pour le changement, c'est vraiment pas mal parce que c'est un parcours qui a été craint pendant longtemps. Par beaucoup de joueurs, hein, même chez nous, Boys, tu l'as pratiqué réellement ce parcours à partir de quand? Très tard. Il y a 3 semaines de ça. Hein. Ouais. Avant ça, Avant, je faisais jamais de mastery, je jouais jamais dessus. Donc, ouais. Essayez de vous familiariser avec parce qu'il est important pour le test, déjà pour le test honneur et pour toutes les quêtes qui vont venir après. Il est assez important comme parcours, donc il faut essayer de le comprendre. Il revient dans les. Voilà. Il revient aussi pour le level 104, ouais. Et pour le level 104 aussi, ouais, tout à fait. Et il est pas si dur que ça, hein, faut pas croire. Non, oh, faut que la prenne tous les autres. Le jouer. C'est une étude. De savoir le jouer. Les fairways sont très peu plats, les greens sont assez compliqués, même s'ils ont été modifiés à une grosse mise à jour. Donc oui. Voilà,
Donc Boyz va commencer par nous montrer comment il attaque ce trou 1. Ouais, donc voilà, on va commencer maintenant. Ouais. Pardon ? Bah, je disais qu'on allait commencer. Tout à fait. Et oui, parce que si on veut pas finir à 20h. Ouais. Oui. Alors, trou numéro 1, soit on joue avant le rocher, donc vous allez voir où je vais la jouer. Donc avec cette météo, t'as pas spécialement. Pour vous dire, pour les personnes qui jouent avec un peu moins de talent, donc Boyz, je vous conseille de jouer avant rocher le maximum bordure à gauche, que ce soit au fer ou au bois. Vous pouvez même y aller au bois, il n'y a aucun problème. Surtout pas driver, vous touchez les arbres, mais le maximum à gauche par rapport à. Pour éviter le maximum de talent. Vous verrez pourquoi, parce que face à vous, il y a un caillou qui gêne. Un gros caillou. Vous pouvez passer au fer aussi par la gauche au-dessus de la montagne. Ouais, avec quand il y a du vent avec vous, ça par contre. Ouais, ouais. On peut même avec du vent pour aller chercher le troisième fer. Ouais. Ouais, là on parle pour du gros talent là. Voilà. Oui, quand même, ouais. Ouais. Ou alors quand il y a 5 de vent avec vous. Même moi je l'ai jamais fait. Ah si, il faut essayer. Et je viens de voir aussi une petite technique que tu que t'as faite. Là, tu as pris le putter. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as fait ça? Dans C'est un réflexe, en fait. C'est un réflexe qui vient du mastery. C'est on prend le putter pour voir la position du drapeau sur le. Voilà, la position du drapeau, c'est vrai. C'est un réflexe du mastery parce qu'en mastery, on peut pas le voir donc, avec la touche table. Donc, on prend le putter pour avoir la position du green. Voilà. Maintenant, on a la touche F12 qui fait ça, mais pas en mastery. Voilà. Mastery, il n'y a que le putter qui permet de faire ça. Ouais, tout simplement, ça permet de voir en fait par rapport à la flèche sur la minimap directement où on est situé. Voilà. Oui. Le mastery, c'est vraiment ce qui se rapproche le plus du vrai golf, quoi. Ouais. Désolé, j'ai un petit souci avec Skype ce soir, je ne sais pas pourquoi. La connexion jolie. Magnifique. C'est joli ce qu'on fait, c'est là. Donc sur le trou 1, à mon avis, si on fait birdie, c'est déjà bien parce que il est assez compliqué quand même. Le trou 1 quand il y a pas, quand il y a... quand il y a mauvais temps, quoi. Ouais. Quand il y a mauvais temps, le birdie, c'est déjà un très bon résultat. Et oui, oui. Donc oui, moi je vais continuer à poser mes questions de mauvais. Bravo. Ouh, très joli putt, bravo. Ouais, ouais. Merci. Ils sont point fort. Donc voilà, on voit que même avec le chat noir Barnes, on peut arriver à faire de grandes choses. Donc n'hésitez pas à inviter Barnes dans vos rooms parce que c'est vrai qu'il a une réputation de chat noir, mais vous voyez quand même qu'on peut y arriver, même avec Barnes dans le coin. Donc ouais, enfin, faut s'appeler Boyz. C'est le talent qui fait le golfeur, c'est pas sa chance. Voilà, donc trou numéro 2, quand le drapeau il est positionné ici, donc début du green à droite. Le mieux c'est de prendre SW et de la jouer et fait 2 heures ou 3 heures à fond. Le drapeau il est où? Il est au début à droite. D'accord. Donc c'est SW ou AW. En fait, il faut savoir que sur ce green. En fait, faut savoir que sur ce green, à chaque position de drapeau, il y a un coup spécial à jouer, en fait. Il faut les apprendre. Il y a 4 positions. Coup, alors, si je peux donner moi mes conseils, qui a une réaction au vent et au nuage qui est assez importante. Il faut comprendre que certains trous ont plus de réaction que d'autres par rapport à la météo. Et il faut regarder les alentours du trou. Plus le trou est dégagé comme celui-là, il est en hauteur, il n'y a rien à part quelques arbres. Là, la météo fait beaucoup d'effets sur ce trou. Oui. Certains trous sont cachés par beaucoup de rochers, donc les effets du vent sont diminués et d'autres. Donc voilà, là j'ai joué SW. SW, ouais. SW, ouais, avec, SW. Avec un 0 parfait. Et c'est joué. Voilà, très bien placé. Alors, si on n'avait pas eu l'effet 2 heures, la balle serait ressortie sur le fairway. Hein, quand on voit les pas monté, parfait. Ouais, ouais, c'est l'effet qui me l'a fait rester ici. Voilà. Ouais. Si on n'y a pas l'effet 2 heures, la balle elle va rebondir. Donc, et elle va refiler sur le fer. Avant que voilà, il va contrer la pente en fait. Est-ce que tu pourrais expliquer quelque chose sur les putts en montée et les putts en descente, vu que là on va avoir beaucoup de ce cas. Là on est sur un putt en montée assez importante par rapport au pointillé.
lorsqu'on voit le dénivelé de côté, il est très important. Donc comment tu juges tes clics? Parce que tu joues au clic ou tu joues à l'œil sur les décalages, toi? Non, je joue au clic, moi, toujours au clic. Ouais, d'accord. Je joue au clic et j'attaque, je les attaque les potes. Surtout ouais. Il y en a, ils jouent tout doucement pour les potes, mais moi je les attaque. Donc ouais, si voilà, en même temps, tu pourrais dire, parce que comme tu potes bien, dire par exemple ton idée de décalage et ton pourcent, vu que les potes sont relativement les mêmes au ouais. niveau du pourcent, savoir à peu près ce que tu fais pour donner une idée. Parce que là, pour beaucoup, ça descend énormément à droite et ça pourrait être du 4-35 pour beaucoup, quoi. Ce qui fait que c'est trop fort en général. Moi là, je jouerais 2 clics 40, tu vois. Ouais, donc vraiment fort. Ouais, alors que moi je décale plus et je putte plus doucement pour assurer le putt. Voilà, ouais, c'est. De toute façon, en fait, c'est chacun sa technique. Voilà, voilà. Après, il est vrai d'avoir une idée de ce que peuvent faire les montées. En fait, tout ce qui est en montée, plus vous attaquez, moins il y a de sensibilité d'effet de côté, quoi. Ouais, voilà, ouais. Plus tu vas attaquer la balle et moins. Et moins elle va tourner, ouais. La balle sera sujette à la pente. Donc là, 2,40, mais je suis vraiment pas sûr quand même. Donc on va essayer, on verra bien. Mais après, attention, attaquer les putts, tu laisses les putts de retour très difficile. Bah regardez derrière le green, en fait, derrière votre trou, si ça descend ou si ça monte. Là, ça descend, donc si c'est à côté, ça va faire mal. Super. Ouais, voilà. C'est pas à côté. Voilà. Deux clics 40, j'ai fait. Deux clics 40 et il n'y a quasiment aucun effet de ligne. Voilà. Alors, on arrive sur le 3. Alors le 3, super. Alors là, vous avez une des pires météos existantes pour ce trou, je crois. Oui. Ouais. Oui. Ah oui, là, non, ça il manque mal, la pluie quand même. Oh, la pluie, il manque la pluie, dommage. La pluie, je crois qu'elle aurait aidé, la pluie, là. Ça t'aurait avant l'avantage. Voilà, bien aimé, là. Alors là, vous avez deux options pour ce trou. Vous avez trois options. L'option numéro 1 pour les levels qui sont un peu inférieurs, c'est d'essayer d'attraper le petit îlot qui est au milieu de l'eau à gauche sur la minimap. Oui, ça, voilà. Ça peut ouais. donner une idée. C'est un endroit qui est pas mal, parce que vous accédez plus simple. Bon, faut pas trop de temps, c'est pas facile. Sinon, faut se mettre le maximum à gauche au niveau du deux tiers du green sur la petite pointe, mais il est super pas plat, donc c'est compliqué. Branche, c'est le mieux sur la branche, ouais. Ensuite, bah, il y a la technique de Boyce. Là, il va vous expliquer lui-même ce qu'il va faire. Oui. Donc, là, vent avec moi, donc ça va pas être évident, mais on va essayer le green. Donc, moi, je joue toujours 5W. Mmh. Je place. Donc, vous baissez la caméra et vous placez votre curseur en face de la branche, en fait. Donc, sur l'eau, en plein milieu du rocher. Vraiment. En plein milieu du rocher, en face de la branche. Donc, ensuite, je mets effet à fond 9h. Et effet à fond 9h. Et là, quand il n'y a pas de vent, je joue 80%. Ouais, donc, là moins. Beaucoup, moins. 60, je pense. Ouais. Ouais. 70 voire 65. Donc pour vous donner une idée, bon, moi je jouerai d'une manière différente par rapport à son repère. Moi je prends effet max 9. Au fer, mais moi là je prendrai un fer 5 parce qu'il y a quand même pas mal de vent. Et je décale ma flèche après avoir mis l'effet pour qu'elle soit sur le rocher de gauche. Qu'il soit tout à gauche quand vous avez l'effet, que je touche le rocher et je tape à 80%. Toi tu tapes à 80% au 5i ? Avec le vent qu'il y a, oui. Ouais, plusieurs techniques. Ouais. Hein. Avec zéro de vent, je tape à 85 en moyenne, maximum. J'utilise un fer 6. C'est... Bah, moi, je vais essayer 5W. Ça dépend du talent, ça dépend de beaucoup de choses, la météo. Après, le fait d'avoir raccourci ce trou n'est pas forcément aidant. Voilà, ce trou a été modifié il y a quelques temps de ça, là, une mise à jour. Donc, c'est vrai qu'il était raccourci de combien, tu saurais nous dire? Oh, il était bien. Moi, j'ai pas fait gaffe. Ouais, je dirais au moins 50 yards. Et surtout, c'est une centaine de yards. Moi, je dirais une trentaine de yards. Ouais, ça a changé d'un gros club. Mais bon, ce qui a beaucoup modifié les choses. C'est vrai que ce trou est mieux à prendre avec le moins de talent possible. En fait, tout à fait. Oui. Un joueur qui a 180, 175 même de talent, il passe très facilement aujourd'hui sur ce trou. Un joueur à 220, c'est une horreur. Donc là, ouh, aïe, aïe. Non, il passera pas. Bien joué. J'ai été mauvaise langue. Voilà, ce qu'il faut éviter, c'est le rocher qui vient de contourner, qui bloque complètement, mais vu que t'as tapé à combien? 70%? J'ai tapé, 69-70. 69-70%, donc à savoir, plus on tape moins fort,
plus ça tourne. Plus le l'angle, l'angle va être décalé vers le côté, en fait, si vous voulez. Là, elle a mis un effet 9 heures. Par rapport à la flèche, la balle va atterrir beaucoup plus sur la droite, en fait. Ça. En fait, le fait de réduire la puissance permet en fait, de faire tourner beaucoup plus la balle, mais elle va beaucoup moins loin aussi. Bah ouais. Il faut gérer le fer en fonction de la puissance et de, du virage qu'on veut lui faire faire. Moi, c'est un peu le ça, ça ressemble en gros au trou 14 de Plaine d'Abel. Ouais, après pour la technique, beaucoup l'utilisent sur le 10 de CAD, au fer par exemple, jouant juste fer 9 ou des choses dans ce style-là. Ouais, fer 8, fer 8, fer 9. Ouais, voilà, enfin. C'est autour de 60% et ça montre un peu la différence. Les clubs réagissent deux fois moins, quoi. Après, sur ce trou, c'est pareil, il faut trouver ses repères parce qu'on n'a pas tous le même talent, on n'a pas tous la même puissance. Ouais. Donc, c'est plutôt de donner. Et ça monte et ça descend. Le mieux, c'est seul en stroke et comme ça, on peut re à volonté. Voilà, sans prendre de trou, stroker. Et puis, ça permet de travailler. Et s'entraîner, tout simplement, hein. Il n'y a pas de secret. Hein. Non, si vous avez des bons samaritains près de vous, vous pouvez le faire une fois en 18 trous en 90 secondes avec quelqu'un qui vous conseille pour les approches et où vous placez. Et après, vous le faites tout seul pour vous entraîner. C'est important, level 100, c'est moins 4 qu'il faut faire pour le test, si je me trompe pas. Moins 5. Donc lorsque le parcours, vous le connaissez, c'est très très facile. Si vous le connaissez pas, vous pouvez vous planter plusieurs fois. Voilà, bien donc sur celui-là, il faut jouer au fer pour essayer d'atteindre le deuxième fairway. Donc ça sera fer 6 ou fer 5. Pour moi, il y a les fer 6 ou fer 5. Pour les petits levels, il faut jouer sur le premier fairway, mais serré à gauche. Pour vous donner un petit repère, il ressemble fortement au 15 de CAD, ouais, si vous remarquez un peu. Bon, là, vous pouvez passer même au bois, même au drive, si je me trompe ouais, pas. Ouais, bois 5 passe au drive, très bien par la gauche. Au drive par la droite, même effet max 3 heures, ça passe. Hein. Faut juste atteindre le deuxième. Mais sans faire attention. Jamais essayé driver, moi, par la droite. Je crois que ça passe driver aussi. Ouais, par la gauche, je sais que ça passe, mais par la droite, jamais essayé. Pareil. Bois 5, parfait, hein, ça passe par-dessus les colonnes. Le 5, c'est nickel. Bon, dédicace à un monsieur qui se moque de moi en privé. Il m'a dit que j'ai dit plus on tape moins fort, moins on tape plus fort. Ouais, Ezekiel. Ouais. T'as dit exactement ça. Moi, j'ai explosé de rire. Hein, mais c'est un pléonasme, bah, pas grave. D'accord. Donc, sur ce fairway, par contre, bien regarder ses pieds. C'est toujours pareil. Donc là, on va voir que je vais être décalé en je vais être en descente et ça va décaler un peu à droite. Exactement. Donc d'entrée, je peux mettre 3 clics. Et le repère. Il y a un clic, un clic et demi en général sur le décalage en plus ici. Voilà, donc là, je vais mettre 2 clics et demi, je pense. Pour le vent. Bon, puis le green à l'arrivée qui est aussi en descente. Allez, Alba, là. Allez, t'es bien placé. Allez, c'est parti. Le vent est parfait. Tu joues avec un peu de TS ou pas? On est exigeant, hein. Moi, je pense pas. Non, j'ai joué en BBS là. J'ai mis effet 5 heures, j'ai mis. Petit effet 5 heures, pardon. Je pense que ça va être un peu long, non? Non, je pense que c'est pas bon. Ah, un peu long. Ça ira très bien. Ouais, un peu long, ouais. Non, tu te laisses un peu, t'es assez facile. Assez facile. Alors, c'est quoi les clics? Alors, les clics, quand on utilise le terme clic, c'est le fait de déplacer son curseur avec le clavier et non pas avec la souris, avec les flèches du clavier. Voilà, avec les flèches du clavier. C'est une flèche. Un clic gauche, c'est un coup de flèche à gauche. Un clic droit, c'est un coup de flèche à droite. Je vous dirai pas qui c'est qui m'a demandé parce que vous vous moquerez de lui après. Ouais. Mais bon. Bonne information quand même, c'est important de le savoir. Encore pas mal de personnes, même des gros levels, jouent sans les clics, jouent au décalage de la souris uniquement. Voilà, moi je joue uniquement avec la souris. Tout au fait, je sais qu'ici je dois mettre 3 quarts avant la ligne. La première ligne à droite, par exemple. Ouais, ouais. D'accord, ok, c'est pour les gens qui jouent fixe. C'est infaisable. Hein. Les gens qui jouent au clic c'est ne peuvent pas faire. C'est une question d'habitude. Complètement, dans les deux sens. Vous pouvez jouer au clic, ça vous dérangerait pas de jouer au clic? Moi, je suis obligé d'y venir à jouer au clic pour expliquer aux autres, justement.
Ouais, je pense que c'est technique plus facilement explicable. Ben oui, pour leur dire à peu près, tu vois, il faut jouer tant de clics là, je peux pas leur dire des cas de temps. Le 3 clics, 32%. Donc je suis obligé de venir au clic. C'est important. Puis c'est plus facile de régler au clic, après t'as plus de repères. Après il y a un peu les mêmes putts qui reviennent, donc tu sais comment les jouer. Voilà. Donc là ça va être effet à fond 9h déjà. Pour contrer le vent, pour que ça arrête plus facilement. Oui. Donc là, surtout attention au vent. Hein. Donc en effet, 9h, le vent. Ouais, donc ça, le vent va. Il faut savoir aussi que le vent. C'est un vent qui pousse de 58%. Donc si on fait le calcul, à peu près de 2-3, il faut compter. Toi, tu utilises la rose des vents. Voilà, la rose des vents est très très utile. D'accord. À savoir qu'il y a les degrés sur certains. Qui sont aussi utiles. Hein. Ouais, tout à fait. La température est aussi importante à appliquer. La rose des vents reste quelque chose d'indicatif et pas forcément quelque chose de vrai partout. Quoi. Moi, j'utilise pas du tout la rose des vents. J'utilise plutôt le. Par exemple, là où il est. Si vous, vous faites clic droit et vous décalez un petit peu le personnage, vous voyez un peu l'axe du vent. Si vous voyez qu'avec 3 clics sur la droite, le vent il bouge pas et un clic sur la gauche il va en poussant, c'est qu'il va vraiment pousser. C'est un peu comme ça que je me repère moi. Plus qu'avec la rose. Pareil. Ah, après, c'est toujours pareil. Hein. C'est une question d'habitude. C'est une question de feeling. Hein. Mais moi, j'avoue que la rose des vents, je la trouve très, très juste. Ah ouais. Donc, Là, je peux dire que ça va pousser minimum de 2. Donc, il faut jouer bien avant. Avec un bel effet pour arriver à contrer justement ce vent. Alors attention, les clubs aussi jouent beaucoup. Tu joues avec c'est quoi ? C'est des hybrides ça ? Hybrides, pardon. Bah, les hybrides, par exemple, pour vous faire une petite comparaison avec des URI, les hybrides montent beaucoup plus haut. Donc tout ce qui est prise de vent, prise de température, de nuages ou de pluie, sont beaucoup plus importantes que des fers qui vont monter plus bas. Qui vont aller plus bas, pardon. Non, vraiment, il y a une perte qui est démentielle avec ces clubs-là par rapport aux URI qui montent moins, quoi. Ouais, ils ont une trajectoire plus tendue. C'est pareil, que tu joues un fer 4 ou un fer 9, ça, c'est pareil, de avoir plus d'influence sur un fer 9 que sur un fer 4. Ça dépend sur le fer 9, vu que t'as moins de distance. Ouais, mais t'as moins de distance, donc... Vu que tu as moins de distance, tu auras moins de pertes sur une courte distance que sur une longue distance. C'est ce que tu as sur le sable. Parfois, sur le sable, tu peux jouer. Il est potable. Par contre, je pense que. 110%. Par exemple, un vent 3 de côté décalera plus un fer 9 qu'un fer 4. Ah oui, non, bien sûr, ça décalera. Ah non, au niveau du décalage, il n'y a aucun souci. Je parle juste au niveau de, la puissance de ton coup. Moi, je te parle de l'incidence du vent sur du fer. Mais bon. Après, effectivement, ça boostera plus un fer 4 qui fait plus. Il a osé la putter, c'est beau. 31 de montée, ça se putte. Ça se putte. C'est un poids fort, je pense. Il faut faire gaffe sur ce. Parce que il y a. Souvent, quand on putte, même quand on est à 2 yards, il y a une petite descente. Et souvent, tu envoies à 20% et ta balle, elle fait 9 yards. Il y a Rêve Prodige qu'on a fait les frais il n'y a pas longtemps, justement, avec moi. Donc, une pointe comme ça, la balle. Très bien redescendre sur le fairway. Bah ça c'est des connaissances du parcours qui il y a que la connaissance du parcours qui pourra te faire savoir. Sur les greens faire très attention aux montées ou aux descentes parce que les greens sont jamais plats, ce qui fait qu'on peut avoir une très grosse descente pendant un putt et la balle va prendre de la vitesse et en fait la montée de 0-1 n'est plus bonne quoi. Non. Faut plus jouer une poussière météo. Météo. Donc là super météo. Normalement là sur le trou 6. Voilà, trou numéro 6, donc normalement là je l'aurais joué au 4i ou 5i avec effet à fond 3 heures, mais avec ce temps ça va être temps. Ouais, ça va être chaud. Après, ça passe bois 4, ça passe bois 5 et bois 3 aussi. Bois 5 et bois 3, oui. Même driver, mais avec ce vent ça ne passe pas. Vous avez un vent de l'autre côté, vous pouvez tenter driver. Bon, en fait, je parle pour les plus petits levels en fait qui ont un peu moins de talent. Ce qu'au fer, c'est pas évident de passer, même avec 175 de talent, on passe pas au fer.
Ouais. Ah bah non, je pense qu'à 175 de talent, t'es obligé de jouer le deuxième fairway au milieu des arbres. Non, ouais, non, tu peux jouer drive directement, mais il faut juste que t'es avec zéro devant, passant par la droite, driver ou au bois 3, ça peut passer. Ouais, c'est ouais, juste. Je vais la jouer au deuxième fairway pour voir. Ouais, là, faut absolument contrer la pente du green qui est vraiment terrible. Ouais, terrible celle-là. C'est un green énorme. Celui-là est vraiment terrible. Ouais, un dévers à droite. Bah là, je trouve quasiment plus dur d'attraper le deuxième fairway. Il est pas très 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 large. Et surtout, il est dans un dénivelé descendant, donc c'est pas évident de l'attraper. Toutes les distances sont faussées, en fait. Ouais, bien joué, c'est cool, c'est parfait. Voilà, donc c'est le petit fairway que je conseille. Il y a pas mal de petits levels. Souvent, parfois, vaut mieux assurer que vouloir tenter le diable et se retrouver au B. Hein. Avec un triple ou un double. Ouais, c'est clair. Surtout que sur celui-là, il y avait quand même pas mal de distance, donc je pense que même avec 215 de talent, c'était tendu de passer. Ouais, non, c'est trop juste. Là, ouais. Oh, je pense qu'on aurait été en mastery, t'aurais risqué le coup quand même. Ah oui, oui, avec un petit mouli derrière. Hein, un petit mouli derrière, allez, on tente. Surtout, ça sert à ça, les mulligans. Hein. Il est plus facile de faire un birdie depuis le green que de le faire de là. 3 heures maximum déjà. Ouais, t'es quasiment obligé. Il fait 3 heures max déjà contre le vent et la pente. Ouais. Sous pluie. Je te dis pas la pente green là. Alors, mettre effet sous la pluie, surtout en effet max, c'est. Faut oser. Ouais, mais il y a le vent contre donc. Ouais. Ouais, voilà. Ouais. Pas trop on me dit qu'avec 215 de talent, tu passais, que t'as fait ton petit joueur. Ah, ouais, bah Ezekiel il peut arrêter. Non, il a joué sécurité, c'est pas pareil. Ah, il faut montrer le bon exemple. T'as raison, il faut montrer. Démonstration. Le tout, c'est pas de montrer comment atteindre le green, c'est de montrer comment jouer. Et là, tu l'as très bien joué. Attends, si tu fais un OB, j'ai la guide qui va me traquer après. Ah, tu sais, moi j'entends encore parler de mon pote loupé pour Alba du premier test. Donc bon. Tu as bien raison. On pète toujours moins bien pour un Alba que pour un birdie. C'est pas faux, non plus. Moins de pression. Ouais. Donc voilà, on verra bien. J'ai joué SW et fait à fond 2 heures. 5 clics à gauche. Ouais, elle a l'air jolie. Si tu touches fairway, elle va rebondir et revenir. Ouais parfait. Elle est très belle. Elle est très bien. Petit chipping. Allez. Ça sera peut-être du fairway, je pense, ouais. Non, très dur. Je vais la péter, on verra bien. Donc, bon, on voit pas les. Ah, putain. Ça a l'air de pencher un peu à droite tout ça. Là, peut-être du fairway réservé au gros connaisseur. Ah ouais, là, ça dévie grave à droite. Il y a une sacrée pente. On voit pas tes pentes. Donc, on va mettre 4 clics à gauche. La jauge va très vite. Ouais, bah, du fairway, ouais, la jauge va très vite, mais ça, je pense. Que... Et ouais, 55%, on va voir. Donc attention, c'est voilà. Là, c'est un peu fort. Ouais. Ah, et ça redescend derrière. Donc là, on peut dire en général, on a l'expression, c'est là, c'est le drame. Ouais, voilà, là, non, c'est gourmand. Et là, c'est gourmand. C'est le drame. Donc pour vous donner une idée, lorsque vous vous situez, alors pour tout ce qui est putt extérieur de green ou bordure de green, vous avez les lignes avec en faisant Alt G ou c'est ça? Ouais. Non, Alt D. Aidez-moi. Alt G plus G et tu obtiens les lignes du green. Obtiens les lignes du green. Donc si vous n'êtes pas dans le carré, dans les carrés des grilles, vous pouvez pas putter. Déjà, ça vous donne une idée. C'est un putable, la balle elle va dévier. En général, c'est la gauche. Je peux vous aider. Mais... Dommage. Alors pour indication, t'as joué quoi comme putt là? On voit que t'as joué 25. Ah, j'ai fait. Je voulais assurer quand même le bogey parce que. Ouais, tout à fait. J'ai logique. Plus. Donc j'avais joué 13 clics. 13 clics et j'ai envoyé à 27%. Ouais, vous avez très entendu, très gros décalage. 13 clics, un très très gros décalage. Hein. C'est ce qu'on appelle jouer les putts à mourir. Grosse descente, faut vraiment pas hésiter. Et là par contre, très peu décalé et fortement attaqué à 40 pour 3 yards. Voilà. Ouais, là j'ai envoyé à 40 pour 3 yards. Ouais. On voit bien la différence entre montée et descente. Ah, celui-là particulier. Celui-là c'est la misère quand il y a ce vent. Surtout avec ce vent. Mais celui-là est apparenté au 10 de CAD. Voilà, donc celui-là il peut jouer au fer.
Ouais, il y a une technique au fer. Avec un pourcentage de 70 ou 80. Même moins. 57-50% aussi. Même moins selon la position du drapeau. Donc je voudrais juste revenir sur les putts en fait, parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens demandent. Vous avez, quand vous êtes au niveau des putts, il faut comprendre une chose. Vous pouvez peut-être fairway sans aucun problème si vous avez les grilles, mais pas au-delà de 59%, 58% si je ne me trompe pas, sinon ouais, ça dévie. Quand vous êtes sur fairway, si vous êtes sur la bordure de green par exemple, vous voyez pas les lignes. Si vous faites donc Al plus G, vous voyez les lignes. Si vous êtes dans les lignes, c'est potable. Si vous n'êtes pas dans les lignes, c'est pas potable. C'est à ça qu'il faut vous repérer. Voilà, c'est ça. Après, il y a un secret pour éviter cet effet. C'est de monter son putter en talent, en endurance. En endurance. Alors voilà. Ça, c'est un bruit qui vient de l'US. J'ai personne à tester. Ou alors utiliser un gribador. Ou alors utiliser un gribador en TS. Voilà. Gribador. Ah ouais. Donc là, j'ai gribador en TS, je peux en porter 80% sans problème. Pardon, tu mets combien de clics? Je dis, j'ai fait 9 clics, je sais pas ce que vous en pensez. 9 clics. Ouais, 9 clics là. Voilà, énorme, hein. Ouais, ça va te ramener. J'en aurais mis 10. Ouais, parce que tu sais, la pente elle est vachement. Tu arrêtes sur le green. En principe, j'en aurais mis 9. Ouais, ça dépend le stop que tu prends, si tu vas au 9 ou au 8. Au 8. Au 8, ouais, au 8, clics, 10 clics. Bon, au 8. Ouais, ça devrait aller. Au 9, il en faut 12, ouais. Ou au 8, il en faut 9, 10, ouais, ça devrait aller. Donc faut, voilà, faut compter que plus le club est petit, plus l'effet du vent est doublé en fait. Là, il ouais, faut se dire à peu près, il y a à peu près x2. C'est-à-dire, pour avoir avec un green plat, faudrait 7 clics à peu près pour être bien à gauche. C'est ça. Donc voilà, je la joue comme ça, j'ai mis 9 clics, ça revient. 9 clics et je vais jouer 8i, 59%, 58. Tu as ta charte des clubs ou c'est juste au feeling? Tu saurais nous dire la distance que tu joues exactement? Non, il me faut une carte juste pour les faire. Pour les 70-80%, j'ai une charte. Elle est belle. Voilà, si vous voulez vous faire une charte, ça peut être utile. C'est pour le putter. Bon, il y en a déjà qui ont été remis sur plusieurs forums. Charte putter, ça peut être utile. C'est quasiment les mêmes pour 90% des putters. Vous avez aussi pour les SW, c'est important de vous faire une charte au practice. Je vous conseille d'en faire une pour tous les 2%. Vous faites 10, 12, 15, 17, 20, 22. Au moins, ça vous donnera une bonne idée. Et derrière, il faut savoir que vous pouvez faire le 9i et le 8i. C'est important pour tous les trous comme ça. Là, par exemple, c'est du 60, 70%, 59%. Ça vous donne la distance. Et après, à vous de calculer avec les dénivelés, de vous y habituer. Voilà. Vous vous réglez une météo dans les 25 degrés. Et vous prenez vos chartes au practice. Et vous mettez 0 devant, hein, vous pouvez tout régler hein, au practice. Le degré est réglable, ça prend du temps, mais après, au moins c'est efficace. Bon, entre 24 et 26, quoi, bon, c'est bon. Donc si vous voulez assurer, comment tu l'assures ce trou pour pas finir sable? Oh là, donc, tout doucement, il faut péter. Vous mieux éviter d'être sable ici en fait. Là, je conseille 28% au putt. Ah, 28, tu vas être sable à mon avis. Ouais, voilà, 28 c'est sable. Ouais, moi, pour moi, c'est du 20% avec 18 clics. 28, qu'est-ce que je dis? Ouais, 18%. Je rigole. Ouais. Je plaisante. Je me trompe de 10%, pardon. 18%. Par contre, avec un gros décalage, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 clics, 8 clics, ouais. 7 à 8 sinon, clics. Sinon, si elle aurait appliqué, j'aurais fait 2 clics 7, 30 si elle avait attaqué. 18%. Ah, pour l'attaquer, elle va venir courir au trou. Ouais, c'est clair, c'est dangereux. Parce qu'après, une fois qu'on est sable, à 2 yards, il faut envoyer 60%. Ouais, c'est plus. Ouais, c'est ça. Tu peux appuyer, c'est ingérable, quoi. C'est vraiment un trou où il faut assurer le par. Ouais, sur celui-là, le par, c'est bien déjà. Donc ouais. Là, j'ai mis 6 clics et j'ai envoyé à 20%, on verra bien. 6 clics 20. Ok. 20, je dis que c'est trop, mais bon. Moi je double les clics sur ces pentes-là. Bravo. Ouais, j'aurais mis 7. Hein. Regarde, ça va, ça. Ça va, ça. Ouais, j'aurais mis 18, pas plus.
Moi, j'aurais double clic, j'aurais mis 12 clics. En fait, moi, je joue inversé, je le joue avec très très peu de puissance, c'est-à-dire du 18 ou 17%, mais avec double clic. Je mets deux fois plus de clics que toi. C'est ça, hein, bien joué. Bien joué, bien. Deux gardes, vous voyez 60%. Ouais, ouais. Ah là, c'est osé, mais. Voilà. Ouais, ouais, c'est un truc. Bien sauvé. C'est assez chiant. Du grand boys. Donc celui-là, c'est possible. On peut aller au driver en 1 si on a un peu de vent avec nous. Par la gauche, ouais, ou par la droite. Par la gauche, par la gauche, ça passe aussi. Oui, oui. Ouais, ouais, ça passe par la gauche. Ouais, 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 il suffit de passer dans la. Moi, ça va en haut. Ouais. Montagne, ouais. Donc sinon, en normal, mettez milieu green et après, au petit bonheur, la chance. Même le fairway, il est pas très bon. Fairway, il faut jouer court ici, hein, si vous jouez le fairway. Voilà, demi-green, demi-fairway, c'est bien. Demi-fairway. Voilà. Ça permet de pas être embêté par la montagne qui est juste devant nous. Ensuite, après, tout dépend où est le drapeau. Tout dépend où est le drapeau, il y a un arbre qui gêne. Hein. Normalement, là, non. Tu dois l'avoir là, à gauche. Il est au fond, au milieu, donc c'est bien. Au fond. Ouais, voilà. Quand il est là, juste pour derrière juste l'inclinaison de l'inclinaison du fairway, tu décales combien? Juste deux clics pour l'inclinaison fairway, c'est ça là? Ou pour un le seul fairway, deux clics en plus, voilà. Ouais, c'est ça, c'est deux clics pour fairway. Et t'en mets 5 pour vent, 6 pour vent. Voilà, ouais, j'en mettrais 6, ça, je pense. C'est ça, ouais, 6 pour vent et 2 pour fairway. 6 au total. 6 clics vent plus 2 du truc, ça fait 8. C'est ça. T'as décalé de 8 clics, quoi. Donc. Et je vais jouer 9i avec un petit effet 3 heures. On me dit qu'on nous entend plus. On nous entend plus? Ah bon? Alors, attends. Que se passe-t-il? Est-ce que mes amis MP en vert ou pas? La guilde. Non, bah, dis-leur de monter leur son, peut-être. Hein. Moi, j'entends tout le monde, en tout cas. Ah, ok, bah écoutez. Non, non, j'ai confirmation, c'est DMP. C'est pas, c'est chez les personnes concernées. Non, ouais, mais voilà. Ça marche, sinon. Ouais, non, ça marche, pas de soucis, Max. D'accord, ok. Apparemment, oui. Sinon, il faut, en général, il faut faire, faut relancer le live et le son revient. Oui. Donc voilà. Donc 8 clics. Non, allez. Donc 8 clics. Et tu jouais un effet 3 heures, donc. Non, pas 8 clics, 6 clics j'ai mis là. 6 clics, d'accord. Non, 7 clics, pardon, 7 clics. 7 ah ouais, clics et 9 clics et 3 heures. 6 clics, voilà. C'est un escroc, il ose croire. Donc oui, on me dit que ça coupe pas mal, des petites coupures, ouais. Et plusieurs personnes qui me disent ça, ça lag un petit peu. Je suis pas gold et il est pas gentil avec moi, hein, c'est clic. Prenez-vous-en à Ustream, les amis. Ouais, on est beaucoup, on est beaucoup. Voilà, ouais, c'est clic, c'est pas mal. C'était beaucoup. C'était beaucoup, ouais. Tu as joué avec de l'FPS, là? Non, non. Pardon? Il a juste mis un 3 heures. Non, non, j'ai mis petit effet 3 heures. Petit effet 3 heures, j'ai mis, ouais. Donc là. Merci à tous pour vos réponses. Et voilà, donc là, ouais, pour le putt, là. Double pente. Voilà. Les traits de la fin, ils vont pas beaucoup compter, à mon avis. Donc, voilà. Souvent, la première pente. La première pente compte plus, ouais. Voilà. C'est du faux plat descendant, messieurs. Comme vous voyez, il y a moins 0,0. Et vous regardez derrière le drapeau, ça descend beaucoup. Donc faut quand même faire attention à ça. Trop attaqué, oui. C'est souvent fairway ici. C'est sanction et fairway, oui. Oui. On a quand même joué à 43 là. Voilà, on voit hein, que la dernière pente ne joue pas beaucoup. Ouais, j'ai mis 3 clics 43. Souvent sur des putts courts aussi. Hein. Si vous avez double pente, la première pente joue, mais pas la seconde. Hein. Surtout si vous attaquez le putt. Mmh. Ouais. Surtout en montée. Oui. Et 9e trou. Allez, c'est là. Et voilà, là, c'est... on arrive au 9e trou. Fais-toi plaisir. Donc là,
soit driver, soit 5W par la droite, oui. Alors, ou alors faire 7 par la gauche. Je vais revenir sur ce que tu dis, driver par la droite, faites attention, il y a la branche qu'on touche. Il y a la branche. Ouais. Donc driver, vous c'est vous prenez déconseillé. Le... Si vous voulez pas vous prendre la branche, vous prenez le 8i et vous placez le curseur un peu à gauche de la branche. Et après, vous reprenez le driver. Très bonne indication. Donc je place mon curseur à gauche de la branche. Driver. Et en général, un petit effet, ça suffit. Voilà, donc toi là, tu vas vraiment effet. Sinon, pour les plus petits levels, vous pouvez y aller directement bois 3 ou bois 5. Avec un max effet, ça passe sans problème pour l'arbre. Voilà. Et là, il va essayer de toucher 3, le fairway 5. Avant de toucher le green. Hein. Pour justement... Bah non, pas... Ah, non, le green non, direct, pas là. Ah, tu vas appuyer au fond, là. Ouais, ah, voilà, c'est le drapeau du fond, donc... Donc là, le but, c'est quand même d'aller loin, donc il faut toucher le green. D'accord, parce que souvent, il est devant. Je suis étonné de voir que tu le joues encore au driver. Ouais, ça dépend. Parce que là, bon, bah, lorsqu'on n'a pas beaucoup de talent au driver, le problème qu'il y a, c'est voilà, là, toi, tu montes beaucoup, mais pour les petits levels, la balle ne monte pas assez, donc ça bloque. Vous pouvez taper Roger, parfois, quoi, c'est super. Un truc dommage. Ça restera pas, non, mais parfait, c'est il est bien placé pour le chip. Et pour un birdie, voilà. Voilà, birdie, easy. Allez, un petit chip là quand même. Alors, faudra montrer un peu. Alors, la technique du chip, l'imparable, est-ce qu'il y a une technique imparable pour la mettre à coup sûr? Pas raté sur zéro. c'est... Bien, non, bien décalé, hein, je pense. Bien regarder son green, bien regarder ses pieds. Décaler un peu, le problème quand on a trop de talent, après c'est difficile pour arrêter la balle, il faut mettre un cran de spin. Mais après tout dépend la physionomie du green, si le drapeau est sur une pente ou une descente. Voilà, super ouais, bien joué. C'est bien joué. Parfait. Non, il n'y a pas de technique imparable, voilà. Max. Oh, mais là, non, vu qu'il était les sur une pente, gérer, puis après normalement ça y va. Vu qu'il était sur une pente, sans effet, hop. Suffit de connaître ses distances. Hein. Ouais, c'est pareil pour les wedge, hein, faire une charte et puis après. Voilà, il n'y a pas après, de secret, un practice hein. Et noter. Hein. Et voilà. Faire une charte. Et si vous avez envie de on a fini de ses wedge. On a fini les 9 trous. Voilà. C'était super, ouais, voilà, ça a appris plein de choses. Enfin, moi, au moins, j'ai appris plein de choses. Et je pense que oui, ça aura servi pour pas mal de monde parce qu'il y avait quelques trucs que j'aurais peut-être pas tenté sans l'avoir vu, quoi. Mais non, je me dis, bon, ça passe. Bon, après, il faut être quand même assez gros level. Mais je conseille aux gens de jouer sur Gleiger parce que franchement, même quand on joue en foursome, ça paye pas mal hein, pour les XP. Ah, ça paye énormément d'XP. Hein, c'est... Et ça change de cadre un peu. Arrêtez de faire l'apprentissage. Pardon, pour l'apprentissage, quand je joue Master Gleiger et Master Icade, ouais, c'est impressionnant la différence. Tu parles pour l'élite des gros joueurs qui peuvent faire que ça. Sinon, pour le petit joueur normal qui a un petit level, je vous conseille de le faire pour une seule chose, pour l'apprentissage des greens. Il a des greens voilà, très compliqués, ça va vous apprendre à énormément maîtriser les greens et vous verrez que sur tous les autres parcours derrière, ça devient un jeu d'enfant de bien putter, quoi. Oui. Ah ouais, c'est clair. Oui, c'est une très bonne école. Alors, on me demande prochainement de faire un shot online spécialisé pour c'était Parc Royal, qui est un parcours assez compliqué pour beaucoup de gens. Alors, il faudra trouver. On va avoir un volontaire pour ça. Il s'appelle Mac Quentin et on lui envoie un message tout de suite. D'accord. Moi, bah, ça c'est reste bien noté. Merci. Bah, merci à toi, Boys. Tu nous as appris quelques petites choses. C'était sympa. T'as pas eu une bonne météo, c'est dommage. Ça marche, voilà. Bon, ouais, bah, 40 grave, minutes. Ouais, déjà 40 minutes. Et oui. Mais bon, la dernière fois, on a tout fait en 1h20. Donc là, bon, ça fait qu'il reste encore 40 minutes. Donc, nous c'est sommes ça. Là. Voilà, voilà. Bon, et eh ben écoutez, c'était super. Maintenant, on va passer à la suite, qui est donc... c'est le moment où on va martyriser Niao. En lui posant plein de questions. D'accord, voilà, pas de soucis. Non, non, non c'est, il y a...
On ne martyrise pas, c'est juste des questions gentilles. Donc, eh ben, déjà, Yao, oui. Je remercie de m'avoir invité déjà, au nom de toute la guide des Green Angels. C'est très sympa. Donc je vais faire une petite présentation. Présente un peu ta guilde, l'âge, le classement. La guilde a été créée en octobre 2009. C'est pas tout jeune quand même. Et oui. On est 106 membres actuellement. On a 160 places. On est classe S3 avec maison Sossori, level 4 de maison. Voilà. Maison Scorpion, hein, voilà, c'est la maison Scorpion. C'est une maison assez facile comme parcours. On a choisi ça parce qu'on a très peu de pros, un seul master pro. Donc on voulait que tous puissent participer au couponnage, quoi. Après, bon, notre mentalité dans cette guilde, c'est on s'amuse surtout, hein. On est là pour passer des bons moments ensemble le soir. Selon la disponibilité des gens et surtout aucune obligation dans la guide. Vraiment. Alors, aucune obligation. Si on peut se permettre de faire juste une petite comparaison par rapport à la semaine dernière où on a eu Max Bubar, bon, c'est la plus grosse guide, ce qui est différent. Au niveau de tout ce qui est événements, guilde, comment ça se passe chez vous? Les GHP par exemple, vous en avez souvent? Oui, on en a à peu près tous les 3-4 jours. Ce soir, on en a un. Alors bon, on fait GHP plus 15%. Hein. Toujours, hein, on fait pas de mode aléatoire. Jamais d'aléatoire. Alors, on lance un 15%, je préviens quand même un peu avant, pour que les gens puissent être là. Mais on n'est pas une guilde AXP, hein. Pas du tout. Plutôt le sens contraire, nous. D'accord. On boycotte un peu ce mode XP. On avait pas mal de moyens level qu'on a monté, très gros level. Et ensuite, ils nous ont quittés justement pour ce souci. Ils ne prenaient plus assez. Hein. Bah, ça leur plaisait pas trop. Alors, il y a différentes mentalités, hein, sur ce jeu. Il y a vraiment la course à l'XP et la course à l'amusement. C'est dur d'allier les deux. Certains, quoi, te diront, on peut prendre l'XP. Ah non, on peut prendre l'XP en s'amusant. Oui, voilà, le but ultime, ça serait ça. Mais difficile. Hein. Le syndrome de l'XP, on peut pas y échapper. Hein. Même moi, bah, qui essaye d'y échapper, ah là là, j'ai envie de voir cette barre monter. Hein. Il n'y a pas de secret. Hein. C'est plus fort que nous. Hein. On résiste pas à l'appel de l'XP. Il y a rien à faire. La limite, je suggère maintenant des mulligans quand on vient en partie avec moi. Oh, j'en deviens affreux, quoi. Donc, on essaye quand même de tuer ça dans la guide. Comme je dis, hein, on n'a que 4 pros, un master pro et le couponnage, on n'oblige personne. C'est vraiment au bon vouloir et ça marche très bien. Hein. Ça marche très bien. Oui. On fait des petits jeux, on fait des petits concours sur Sossori, on organise pas mal de petits événements entre nous. Et notamment, on en parlera après avec d'autres guildes. Ensuite, après, j'ai 5 sous-maîtres. Je ne fonctionne pas du tout comme la guilde précédente, c'est-à-dire mes sous-maîtres restent sous-maîtres. Je ne privilégie pas un turnover des sous-maîtres pour justement les coupons. Au contraire, je les responsabilise, les sous-maîtres, je leur donne chacun un rôle. Ils ont une utilité qui est concrète, c'est pour ça que tu peux pas les changer aussi. Nous, ils ont chacun un rôle et c'est très important, je trouve, de valoriser quand même leur titre. Il y en a un qui est responsable du forum, il y en a un autre qui va être responsable des casiers, il y en a un autre de la propreté de la maison. Bon, là, je rigole. Il y en a un autre qui va être responsable des ventes ou des items. Il y en a un autre qui va être responsable un peu de la gestion des coupons. Ensuite, pas vraiment de responsable pour former les gens. On s'entraide tous, quoi.
Okay. Aussi bien en matériel, aussi bien en temps, aussi bien pour les différentes étapes du jeu. On essaye au maximum de venir en aide à chacun, tout en maintenant une très bonne ambiance. On avait essayé aussi une fusion, du moins on avait récupéré une guilde qui se meurt, beaucoup de membres, et ça n'a pas du tout marché. Il s'est avéré que des clans se sont formés. Et oui, c'est parfois difficile, les fusions, ça a souvent des problèmes. Voilà, il faut vraiment zapper complet son ancienne guilde et s'imprégner total de la nouvelle. Et ça n'a pas été le cas. Donc, trop de discordance, donc on a coupé court à tout ça. Il y a eu jusqu'à des vengeances, des hackages de notre forum, etc. Fou. Ah oui, oui, grave quoi. Donc bon, stop, on a dit stop. C'est du passé, on passe à donc on est revenu maintenant, on a retrouvé cette franche camaraderie, et cette super ambiance qui nous faisait défaut pendant un petit moment. Voilà en gros les Green Angels, hein, leur mentalité et leur façon de vivre et saut quoi. Petite question. Est-ce que c'est toi qui as créé la guilde ou tu l'as récupérée après? Moi, je l'ai pas récupérée. Elle a été créée par Jarlax et un groupe de copains, au nombre de 4. Et il s'est avéré que il a dû arrêter le jeu, donc il a passé la main et il m'avait recruté au level 20. Donc j'ai eu qu'une seule guilde. J'étais sous-maître, donc je suis passé logiquement maître, étant le mieux approprié pour ce rôle. Il faut savoir que maître dans une guilde, c'est vraiment un sacerdoce. C'est vraiment un rôle très ingrat, très difficile, qui demande beaucoup de temps. Mais quand on aime, on ne compte pas. Oui. Donc c'est ton premier amour, tu n'as jamais été allé voir ailleurs, tu es toujours Green toujours. Voilà, c'est ma philosophie. Je quitterai pour rien au monde cette guide. Bah c'est une guide quand même. Mais tout ce qui est green, hein, Angel, Power, ce sont des guildes qui ont un peu le même raisonnement, qui sont assez calmes avec bien structurés. Je sais que chez les Green Power, c'est un peu le même principe. On a Pierre qui la représente assez, qui est sous-maître lui aussi. Donc il y a tout ce qui est. Tous les sous-maîtres ont accès au casier d'une manière libérale. Tout est bien structuré. Voilà. C'est vrai que ça reste un peu différent, mais il est vrai que, bon, lorsque tu as des levels qui vont de, je vais dire une bêtise, mais de 1 à 104, c'est vrai que ça évolue beaucoup quand tu as une guilde où. Le level 20, quand il arrive, il est level 40 en 24 heures. Ça change beaucoup de choses. Il est vrai que les demandes sont plus les mêmes, quoi. Chaque guilde a son niveau de fonctionnement. Vous êtes sur son souris. Un level 10 peut faire des coupons chez toi. Un level 10 ne peut pas couponner dans une maison telle que la maison de Cad ou la maison de Pearl, quoi. Tout à fait. C'est vraiment à la personne qui veut intégrer une guilde à bien choisir sa guilde. Car les guildes ont un fonctionnement vraiment différent et un c'est but important. Ultime très très différent. Il y a des guildes spécialisés dans l'XP, et comme il y aura des guildes spécialisés dans l'entraide, la convivialité, etc. Une guilde spécialisée à l'XP n'empêche pas aussi qu'elle puisse être conviviale avec de l'entraide. Je m'exprime mal. Je veux pas dire que. Non, bien sûr, mais après, c'est une structure. Il faut justement, que tu il y a une mauvaise ambiance, non. Non, pas du tout. Au contraire. C'est un peu la même chose que tu fais, toi, tu le bases sur les sous-maîtres, mais quand tu as une guilde qui a maintenant pas mal d'années pour une grosse guilde, ils peuvent très bien aussi ne pas être sous-maîtres et se répartir la tâche pour les gens qui aiment bien jouer avec les petits levels ou quoi, ça peut se partager de cette manière sans avoir de. C'est tout est là, mais il est vrai qu'il y a des guildes qui sont spécialisées pour l'XP. Après, quand on voit une maison comme Pearl Green, où on prend pas mal d'XP aussi, et convoité, elle est pas énormément parce que bon, c'est un parcours difficile. Mais c'est vrai que pour l'XP, s'il y avait d'autres personnes, c'est vrai que c'est une maison qui est intéressante aussi. Hein. Ah, très intéressante. Et ce parcours est très bien, mais seulement, comme tu dis, ça demande quand même de gros levels, quoi. Vous êtes jamais attaqué, vous, au niveau de votre maison? Oui, on a déjà été attaqué, ouais.
On s'est très bien défendu. Après, maintenant, c'est un petit parcours qui rapporte pas grand chose en XP. Donc, pas grand intérêt à l'attaquer. C'est un peu comme Alfheim, quoi. Surtout qu'on est déjà level 4 de maison, on s'approche de la casquette pour tous. Ah, on va pas la lâcher comme ça, pas maintenant. Si jamais on est attaqué, on va se défendre jusqu'au bout, même un maximum, ça va les galvaniser au contraire. Moi ouais, je pense que... Parce que on a fait, il y a quand même 10 mois, même plus de, maison, de travail en... Derrière ça, et comme on se rapproche de la casquette, bon, c'est le but, hein, recherché par la guide, et la oui, casquette. Donc on peut en venir là, tu vois, vu qu'on approche de la fin de l'année, est-ce que vous avez déjà commencé à penser à des objectifs pour 2012, des choses que vous avez envie d'accomplir avec la guilde, quelques rêves de guilde que vous avez, je sais pas Privilégier des tournois avec d'autres guildes, justement, comme on a fait. Eh ben voilà, très bonne transition. On m'a dit, j'ai entendu dire, alors je sais pas, on va dire que c'est mon petit doigt qui m'a dit ça, que tu avais organisé un tournoi interguild entre les Poteaux et les Green Angels. Oui, et j'ai fait ça d'une manière qui ne s'était jamais encore faite. C'est-à-dire que j'ai organisé ça non pas par level, mais par personne connectée le soir. C'est-à-dire, je me suis mis d'accord avec Cédrine, le maître de guilde des poteaux. Mm-hmm. Le soir, on se disait qui était connecté et on créait des matchs comme ça, au pur hasard, en essayant d'équilibrer un maximum. Et le but, c'est personne a rien mis, hein, aucun frais d'inscription, rien du tout. Et le but, c'était de jouer pour la guilde, justement, et non pas pour soi-même. C'est-à-dire, les deux guildes avaient mis une somme de NG en jeu, et la guilde gagnait cette somme à la fin. Voilà. Donc on bon jouait principe. Pour l'équipe, on jouait pas pour soi-même, pour essayer de montrer qui avait la plus grosse quoi. La plus grosse guilde. Voilà. Merci. Ouf, tu me sens. Je rattrape un peu. Ouais, je rattrape. Ouais, un peu. Voilà. Voilà. Donc on a fait ça ainsi et ça a super bien marché. Super bien. Pour te dire, on arrivait vendredi à faire 18 matchs, quoi. Eh ouais, ben dont 5 ou 6 foursomes, quoi. Donc, pas mal de monde connecté et qui jouait ensemble, quoi. Une ambiance du tonnerre. Aucune jalousie, aucune... rien, vraiment que du plaisir, hein. De super beaux matchs. Après, c'était au choix à eux de s'arranger pour les matchs, quoi. On leur disait les levels, avec qui ils jouaient, et ils choisissaient le parcours, ils choisissaient le nombre de trous, ils choisissaient s'ils voulaient des mulis ou pas, ce qu'ils voulaient. D'accord. Bon, et ensuite, après, chaque match était comptabilisé, hein, pour la guilde qui gagnait, 3 points, match nul, 1 point, et défaite, 0 point. Bon, faut savoir que les poteaux sont 100 fois plus puissants que nous. Vous avez perdu, non? On a résisté, on a perdu 45 à 57. Oh, ça va, c'est pas une grosse défaite. Sur 4 soirs, ça va, on a sauvé l'honneur, quoi. Mais bon, il faut savoir qu'on a des joueurs qui jouent depuis plus de 2 ans et qui sont simple level 70. Donc c'est pour montrer l'évolution dans notre guide. Ils sont assez lents, mais alors, ils ont un jeu... Franchement fabuleux quoi. On avait mis un level 60 de notre guide contre un level 80, bon il a gagné quoi. Bah, c'est un exemple. Des fois le level ne fait pas tout, ouais. J'ai eu l'occasion de voir ça et j'étais impressionné. On peut parfaitement jouer les plats et après se positionner parfaitement bien, même s'ils sont un peu plus loin. Mais ils arrivent à bien se positionner pour préparer le deuxième coup. Et oui. Et se poser très près du drapeau, quoi.
c'est un des secrets. Quand tu manques de puissance, quoi. Oui. Après, bon, pour nous, c'est facile. Hein. On tape les greens en un, et puis après, c'est tout au putting. Écoute, ça... Et vous pensez réitérer l'expérience bientôt dans un avenir proche? Oui, on est prêt à refaire ce genre d'événement avec n'importe quel guide qui serait intéressé. D'ailleurs, je le conseille, hein, c'est un peu un mode Ryder Cup. Hein. Je ne sais pas si tu connais le terme Ryder Cup. Je connais la compétition, je vois pas trop à quoi ça peut correspondre. Voilà, avec des matchs foursome, avec des matchs stroke, avec des matchs four-ball. Mais quand tu prends Tiger Woods et tous ces joueurs, ils jouent pour leur pays et non pour eux-mêmes. Ben là, c'est un peu le style. Tu joues pour ta guilde et non pour toi-même. Bon, après, au niveau organisation, très facile. Il y a, pour ainsi dire... pas d'organisation, quoi. Ça se fait au pied levé le soir. Il suffit d'avoir deux personnes, des deux guides sur Skype et en avant. Hein. Ouais, donc il faut Skype quand même. Après. Qu'il y ait deux personnes de la guide, de chaque guide qui se coordonnent pour. Voilà, qui se coordonnent pour organiser les matchs. Voilà, ils parlent sur leur chat guide, ils disent qui est intéressé pour des matchs ce soir et dites vos levels. Voilà, ils disent leur level. Pareillement de l'autre côté et hop, les matchs se créent. Hein. Voilà, ils vont en game list et ils cherchent dans la liste qui a le même level que lui, et ils se mettent d'accord tous les deux, et en avant, après ils nous disent avec qui ils jouent, et puis en avant, c'est parti. Bon, foursome, c'est excellent aussi, hein. On peut allier des gros levels avec des petits levels. Nous, on s'est bien amusé comme ça. Hein. On a pris des belles raquettes. Ça semble très bien rodé, cette histoire. Comment ? Ça semble très bien rodé, cette histoire. Oui. Oh oui, et comme ça, hein, on a fait ça vraiment, je vais pas dire à l'arrache, hein, il y avait quand même un minimum d'organisation. Mais après, je remercie les potos énormément, hein, parce que super ambiance, hein, vraiment, hein, vraiment tous, une super guide aussi, une super équipe. Vraiment, ça s'est très très bien passé, d'un fair play incroyable. Et pareil, ils ont gagné... Parce qu'ils sont plus forts, c'est tout, mais avec les honneurs, quoi, quand même, hein, sans se vanter, sans vraiment, vraiment super, quoi. Que des gens bien. Rien à dire. Ben... Un réel plaisir. Content de leur donner notre argent, quoi. Bon, en plus, si tu le fais avec le sourire, c'est le principal. Et oui, ben c'est le but recherché, c'est un jeu, quand même. Les gens bossent assez, ont assez de difficultés dans la vie pour pas venir s'embêter le soir sur SO, au contraire. Et oui. Bon, et ben écoute, je me dis que de mon côté j'ai un peu fait le tour. Est-ce que tu as un petit mot à faire passer, recrutement, remerciement ou de quelque chose que tu as envie de dire Remerciement déjà pour vous, pour votre équipe et pour tout ce que vous faites. Ça, c'est très important. Hein. On râle souvent sur le fofo, mais vous inquiétez pas, on est quand même reconnaissant quand il le faut. Vous êtes une super équipe, ne changez pas. Tu apportes beaucoup dans les events et dans le progrès de Shot Online. Ça, tu as fait beaucoup depuis quelques temps. Oh. Ah si, le jeu a super bien évolué. Faut pas me brosser dans le sens du poil comme ça, parce qu'après, je sais plus me tenir. Non, mais bon, il faut appeler un chat un chat. Hein. Ouais. Depuis le temps qu'on attendait, faut savoir que nous, on joue depuis le juillet 2009. Je peux te dire qu'il n'y avait absolument rien sur le jeu, quoi. Les quêtes étaient inexistantes, ouais. Les items inexistants. Il n'y avait absolument rien. Maintenant, bon, dur de se plaindre quand même. Bah, les boîtes, oui, ah, les boîtes XP, ah. Les fameuses. Ah, grève, maudite boîte. Ça fait couler pas mal d'encre. Non, après, je remercie tous les joueurs de SO, pareil, hein. Jeu très convivial, hein. Franchement, il y a du chic gars, chic joueur. Oui, bien sûr, les filles aussi, hein.
Vous inquiétez pas, quand je dis gars, c'est l'homme en général. Hein. Ça comprend aussi les filles. Et puis moi aussi, bah, moi je voulais te remercier aussi d'être venu. Puis aussi, voilà, c'est vrai que c'est à cause de personnes comme toi qui font un peu bouger les choses. Il y a aussi Pierre Max qui s'y donne beaucoup au sein de l'équipe de SOM pour essayer de faire les tournois sauvages. Et puis il va y avoir quelque chose d'autre qui va arriver bientôt. Parce que du coup, moi ça me motive. Je suis en train actuellement de chercher pour voir s'il n'y a pas moyen d'essayer de faire des petits. Comment on appellerait ça, des packages cadeaux pour les guildes par exemple qui veulent organiser leur propre événement, genre par exemple oui. à partir de, je sais pas, on pourrait dire classe A ou je sais pas, j'ai pas encore trop regardé, mais donner la possibilité aux guildes de demander tous les deux mois par exemple d'avoir le droit à un paquet de cadeaux contenant des boîtes, des balles, etc. pour pouvoir organiser leurs propres événements et qui seraient en quelque sorte sponsorisés par Shot Online pour justement pour développer tous ces, parce que moi je trouve ça très bien. Parce que les événements qu'on organise, c'est bien, mais j'ai pas quatre bras, je ne travaille pas 46 heures par jour, et c'est vrai c'est ce que je souhaite vraiment, c'est pousser un maximum les maîtres de guildes à en organiser plus pour pouvoir combler tous ces manques qu'il peut y avoir des moments où il n'y a pas d'événement. Donc c'est vrai que si les maîtres de guildes, les SOM, se donnent du mal pour pouvoir organiser ça, c'est normal de récompenser. J'allais en venir, ce qui n'empêche pas à nous, SOM, d'essayer de faire comme on a pu faire pour le tournoi, qui était mauvaise période, mais faire un tournoi inter-guild qui avait déjà été réalisé à l'époque, qui s'est toujours bien passé. Je pense qu'il va falloir qu'on envisage d'en refaire un. Bon, je pense qu'il est dans les tuyaux, tu le sais, Barnes, on en a déjà un peu discuté. Et oui, c'est vrai que Je sais que le tournoi qu'on a fait avec les poteaux, ça demande on pas... On a déjà... Voilà, c'est quelque chose qu'à avoir. Bon, c'est pas évident, c'est sûr, d'organiser... Ça demande très peu d'organisation, un simple post sur le forum pour prévenir la guide, et en avant, hein. Je vous dis, ils font les matchs avec ceux qui sont connectés le soir, comme ça il n'y a pas besoin de se fixer des dates très précises. Là il est absent, lui il ne pourra pas venir. Là, vous jouez qu'avec les connectés et c'est terminé. Bon. Et ça se passe super bien. S'il y a trois connectés dans le soir, tant pis, que trois matchs. Vous faites les 20 sur une semaine, c'est parfait quoi. S'il y en a 30, 30 matchs. Ouais, après, en fonction, en ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent. C'est super. Hein. Après, vous comptabilisez le nombre de points par guide. Et voilà. Et c'est la guide qui est récompensée. D'accord. Donc, pas d'individualité. Il y a assez de tournois individuels pour justement ne pas en faire. C'est une super idée. Bon, écoute, merci beaucoup pour ta présence et pour ce petit discours. C'était super intéressant, encore une fois. Et je pense qu'on va pouvoir passer à la suite, qui est le tirage au sort. Le tirage au sort que je pense qu'il y a un paquet de monde qui sont en train de l'attendre. Je vois que sur le square, c'est en train de parler du tirage au sort. Mais qui va gagner? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer un peu. Donc, je vais sortir ma petite liste d'un côté pour avoir les numéros et les noms, et je vais ouvrir ma fameuse page random.org, alors que je vais mettre ici. Hop, t'as là. Dit quel alors, numéro c'est... C'est moi ça. Ah c'est gagné. Toi. bravo déjà. C'est... Alors. Moi je te demande alors... une chose, c'est de pas tirer le 608, c'est tout. Après tu fais ce que tu veux. Le 608. En tout cas, tirer c'est pas fait. Mais belle participation. J'aime pas être tiré par mon patron. Participant, chapeau. Hein. Alors je pense que il y a Ezekiel qui va râler un peu si il y a Boss qui lui a mis un petit mauvais œil sur lui, là, une poupée vaudou pour l'empêcher de gagner. Donc voilà, nous avons 636 personnes, donc j'utilise ce merveilleux site random.org. Donc ça va me faire une énorme liste, mais je vais prendre, donc ça va me faire 10 colonnes, et je vais prendre la première ligne de cette liste. Donc si vous voyez votre numéro en dessous, dommage, mais je vais prendre que la première ligne, je l'aurais dit avant. Bon, tout le monde est prêt? On est parti? Allez, on est parti. C'est parti. Allez, je clique, et c'est parti. Donc nous avons cette première ligne, donc le premier gagnant, et le numéro 534, alors le 534,
Qui c'est, je le cherche, je ne trouve pas. C'est celui qui gagne le gros lot, ça, c'est ça? Ça, c'est le gros lot. Ben, on prend de gauche à droite. Je ne vois pas la même image que toi, tu m'excuses. Tu ne vois pas la même image que moi? Ah non, mais il faut... là, c'est parce qu'il faut regarder sur le live, c'est normal que tu le vois pas. Ouais, j'étais encore donc, en game. Niao, voilà. Si tu lis bien, ça doit être ça. Vous me perturbez, j'arrive pas à lire. Donc c'est Dombride le premier. Dombride a gagné. Dombride. Alors je vais les cocher en même temps. Alors 500. Dombride, comme il s'appelle. Oui, Dombride. Alors, on se moque pas des pseudos. On ne se moque pas des pseudos. Alors, Alors après nous avons le 166 qui est Speedcore. Oh cool, oh. Angry Angel. Bravo Speed. Alors cool. Il faudrait peut-être que si je en même temps, je vais noter l'ordre parce que sinon je vais pas retrouver l'ordre. Angry Angel qui gagne. Bien. Alors je m'en sors pas. Ça c'est préparé vraiment avec toute la technicité dont je sais faire preuve. Donc voilà, Speedcore. Après nous avons le 543. Alors 543, c'est Chicken. Alors nous avons le poulet. Chicken. L'allemand. C'est un joueur venant du serveur allemand. Ah, chicken, d'accord, non. Ok. Bon, qui est bien souvent venu. Chez nous, qui est très fort. D'accord. Bon, après, nous avons donc le 423. 423, c'est tout en bas de la liste. 423, c'est Jantarax. Ah, cool. Hop. Un petit coup de couleur. Hop, et on le met là. Après, le... 106. Alors, le... Ah non, je crois que j'en ai oublié un entre-temps. J'ai oublié le 188. Bah alors, bravo. Ben, bravo. Mais c'est n'importe quoi. C'est quoi cette émission? Alors, c'est Tonton du Bled 06, le 188. Cool. Bravo, Tonton. Qui arrive en quatrième position. Qui arrive en quatrième position. Donc, cinquième, nous avons Jantarax. Après, le 106. Le 106 qui est Tosmos. 106, c'est pas bon, en principe, ça fait oubé. Donc, Tosmos, 253, nous avons 253 qui est ici, c'est Miguel Angel. Est-ce que Miguel Angel est un Green Angel? Non. Ah, pas du tout, bon. 360 qui est Emilien Launay. Je sais pas Emilien si Launay. J'écorche pas le nom. Très bon joueur. Non, c'est ça, Emilien Launay. Il me semble que je l'ai vu passer sur le square. Je sais pas pourquoi. Ah ouais, il est au square. Là, il est au square, d'accord. Il est juste derrière toi. Très d'accord, bon joueur, okay. Il a rendu une carte à moins de 17 sur Rufus. Ouais, Rufus dans ma je l'ai eu dans ma catégorie au tournoi SOM. Il s'est bien débrouillé, le petit. Pas mal, hein. Pas mal, ouais. Le 129. Il fait du mastery et tout, ouais. C'est pas démérité. Ouais, tu pourras acheter des vêtements, Emilien. Alors, le level 80, non? Le 129 qui est Fuxi des Aumures. Ah, bah, Game Power, tiens. Fuxi des Aumures, c'est un Game Power de ma guild. Et le dernier, le numéro 20, qui est Corse Rider. Corse Rider. Voilà. Bah, parfait, tout ça. Super. Et ben bravo voilà, à nous tous. Avons bravo nous à vous avons tous. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 gagnants. Et je suis vraiment désolé pour tous les autres, mais bon, vous savez, c'est pas ah ben c'est non, pas la première fois qu'on fait ça. Ça reviendra. L'important c'est de participer. Parce que comme on voit, c'est vrai que parce que on voit que ça plaît parce que voilà, on a eu 630 participants. T'étais pas censé offrir la même chose à tous les autres participants. Ah non. Et Pierre, il m'a dit ça. Vous réglez vos comptes avec Pierre, les 697 autres. Oui. Il m'a dit pareil. Ben voilà, bon, Pierre, si apparemment t'as fait une promesse, il va falloir la tenir. Hein. Ouais, c'est pas juste. J'ai pas été tiré au sort, c'est pas juste. Il y aura une prochaine. Je pense qu'il y a toujours une chance pour venir. Personne ne m'aime.
Oh. Le hasard. Calimero. C'était très bien ce petit tournoi, très sympa. Ouais, il serait bien, tu sais, tu te rappelles le tournoi que tu avais fait dans le même principe avec un tirage au sort, mais en fonction des résultats sur les cartes, il y avait un certain nombre de coupons et de chances d'être tiré. Et oui, vrai que c'était bien, mais ça avait le truc, c'est que ça devient, c'est, je sais, il faudrait que je trouve une technique un peu meilleure, parce que pour faire ce nombre de tickets, j'ai passé, je crois que j'ai passé 2 heures à faire du copier-coller, à ajouter des noms dans une liste, et j'ai pas trouvé ça très productif. Donc c'est pour ça que je me suis dit bon, on va arrêter ça en attendant que je trouve une technique avec Excel pour. Donc voilà, si vous avez une technique pour utiliser Excel et pour générer des lignes avec des noms, je suis preneur. J'avais un truc à te proposer. Je vais pas pouvoir t'aider là-dedans, désolé. Pas évident à organiser ça. J'ai quelqu'un d'ami qui m'avait proposé justement que tu lui fournisses les fichiers pour qu'il puisse essayer de créer un petit logiciel sur Excel. Oh purée, il y a du monde au square. Je vois que je suis entouré. Ah oui. Je suis là, je te défends. On fait pas le même avec toi. Allez-y, piquez-lui ses habits, ils sont statés. Allez-y. Ah voilà, ben justement, voilà encore une transition d'enfer, on va parler un peu sur les news. Alors, je vais me décaler un peu pour qu'on me voit. Et puis, on va commencer un peu sur les news, et je vais commencer un peu sur les trucs qui vont arriver bientôt. Et par exemple, la tenue que j'ai sur le dos. Alors, cette tenue... Voilà, me suis décalé. Alors, cette tenue, c'est une nouvelle tenue, la tenue UV hiver. Ok, sympa. Qui est... Donc ça, c'est une couleur, c'est la couleur talent, avec les stats talent. Je vais regarder un peu ce que j'ai, fun statue. Alors, petit truc spécial pour ça, il y aura une version pour les joueurs normaux, et il y aura une version aussi pour les seniors pro et plus. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura une version avec un seul socket, une version avec 2 sockets, et ça sera pour des fringues permanentes, parce qu'après cette version, ces fringues seront déclinées en version en durée limitée de temps, et aussi en durée limitée en durabilité, comme pour les clubs, c'est-à-dire par exemple il y aura une durabilité de 2000 trous. Donc ça sera, ces fringues seront disponibles en 3 versions, permanente, durabilité trou et durabilité temps. D'accord, donc là on a des fringues qui peuvent atteindre 7 points de stats en plus quand même là. Donc voilà, ça c'est pour les permanentes, parce que les fringues à durée limitée, elles ont plus de points de stats, elles ont 5 points de stats il me semble. Oui, elles sont en 3 et 2, donc c'est, si c'est une fringue talent, il y aura 3 de talent et 2 de puissance. Si c'est une fringue puissance, il y aura 3 de puissance et 2 de talent. Après, je me souviens plus s'il y a des sockets sur les tickets d'échange, mais faudrait que je regarde. Là, par exemple, oui, il y a un socket, parce que par exemple, voilà, le gant qui n'est pas disponible en permanent, qui est disponible seulement en ticket d'échange, voilà, le gant a un socket. Donc on peut voir ici qu'en plus, sur le gant, il y a un bonus entraînement. Donc voilà, par exemple, ici, on a un gant qui est, c'est un gant talent-puissance, et donc du coup, il y aura 3 de talent, 2 de puissance, 1 socket et un bonus entraînement de 1. Donc des fringues pas mal. Donc voilà, il va y avoir énormément de fringues là-dessus, parce que c'est décliné en plusieurs couleurs suivant les différents talents. Donc ce qui sera bien, c'est que cette fois vous aurez soit le choix entre les prendre directement dans la boutique en ticket d'échange, ou sinon vous disposerez des boîtes fringues permanentes pour avoir les mêmes en version permanente. Ah, sympa ça. Ça sera disponible à partir de quand, on demande ? Sympa. Ça sera pendant le mois de décembre, pour l'instant c'est pas prévu, donc ça sera pas avant la prochaine maintenance, parce que pour l'instant c'est pas, parce que quand on fait les maintenances, on ajoute les objets en jeu. Mais cette fois-là, on a ajouté tellement d'objets, parce qu'ici, comme vous pouvez vous rendre compte, avec les différents types de skills, plus les différences de durabilité et toutes ces histoires, on a dû en enregistrer beaucoup, donc on n'a pas pu les enregistrer aussi dans la boutique. Donc pour l'instant, ils sont disponibles que dans le jeu. Moi, je peux me les envoyer directement, mais elles sont pas disponibles en boutique. Donc ce sera la prochaine maintenance, on va pouvoir les enregistrer dans la boutique, et du coup on pourra les mettre à disposition au courant du mois de décembre. Le slip est compris dans le...
Voilà, il est avec le pantalon, on le voit dessous. Donc voilà. Après, autre chose qu'on peut voir, mais je vais aller vous faire une petite démo en jeu là. C'est parce que donc ici on voit, j'ai des balles XP. C'est autre chose, c'est quelque chose d'autre qui va venir. Donc c'est des balles 20% d'XP. Alors ça c'est fermé. Non mais vous le voyez sur le live là. Sur le live, vous allez voir. Je la vois, ta balle. Oh, mais c'est aussi pour le voir sur le live. Ouais. Bah, je peux ouvrir mes infos de toute façon. Hop. Ouais, le mieux, ce serait ça, d'ouvrir tes infos. Il n'y a pas de secret. Mes infos sont ouvertes. Elles sont ouvertes, hein, on voit tout là depuis tout à l'heure. Ah, d'accord, impeccable. Le putter, ouais, c'est quoi ton putter? C'est quoi? Alors, c'est le putter. Ah, c'est un nous. 100%, je veux le même. Ouais, c'est un putter de Noël, mais je vais aller vous montrer ça sur en jeu parce qu'il est super sympa. C'est un petit traîneau à la place du putter. Et donc du coup, il y a les balles XP aussi qui vont être disponibles pendant le mois de décembre. Wow. Donc ça sera en plus, ça fera 20% en plus. Donc ça, c'est les plus grosses. Donc elles sont en 5, 10, 15% et 20%. Et elles sont disponibles en 4 PC, 3 PC et 2 PC. Donc les 2 PC et 3 PC, vous avez l'habitude de connaître ça sous liquide et solide. 4 PC, il y a pas trop d'équivalent, donc voilà, c'est resté 4 PC. Ouais. Mais, donc voilà, il va y avoir tous les types de balles avec toutes stats plus 1 et un bonus XP après. Wow. Et après, la grande nouveauté que vous allez voir, attention, transformation, j'active mon costume et hop là! Oh non! Et voilà, ça c'est. Et voilà. Alors, je vous avais dit que vous alliez bien vous marrer sur ce coup-là. Je le trouve exceptionnel, ce costume. Regarde, Maman Noël à côté de toi. Celui-là, il est pour grand cerf. Alors, je le trouve génial. Alors là, j'ai out, hein, mais le plus génial, c'est Albus qui, quand il porte. Parce que Albus, quand il joue et qu'il se prépare à faire un tir, il secoue son postérieur et on voit le petit pompon du renne qui secoue en même temps. Et c'est juste à mourir de rire. Alors, on a passé à tester ça. On avait les larmes aux yeux quand on a vu ça la première fois. En jeu. Vous avez vu combien de bouteilles de whisky avant de le faire, le perso? Alors non. Bah, ça, je sais pas parce que ça a été fait par les développeurs en Corée. Mais. Fait comme des rats ce soir-là. Mais voilà. Ménage, qui nettoie le clavier. Non. Ouais. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller tout de suite en jeu pour vous montrer ce que ça donne en jeu. Ouais, il a un D5, oh. Eh. Oh. Ah, parce que regardez. Il fait des trucs en jeu spécial. Non, bah, c'est prévu. Non, mais c'est plutôt le look. c'est le look quand. Non, mais bon, la prochaine fois, quand tu nous montres, évite de nous montrer que t'as un joli D5, ça nous fait mal au ventre. Ah, ça nous fait mal au cœur. Bon. Sérieux, allez. Quoi. Et puis je vais pouvoir vous montrer le super putter là. Alors vous allez voir ça. Mais faut voir sur le live parce que j'ai mis un mot de passe que je me souviens pas. Donc voilà, hop, je vais vous faire un gros zoom sur le putter. Alors voici le putter XP de Noël. Vous allez pouvoir le voir. Voilà, normalement. C'est un traîneau. Ok. Ouais, c'est un petit traîneau. Traîneau avec Papa Noël. Ah, il est pas mal. Donc voilà, il va être disponible en 3 versions. Donc il y a une version GH, c'est-à-dire une version qui sera pas réparable mais avec un socket. Il y a une version R, donc qui est réparable mais sans socket. Et il y a cette version-là qui est une version R avec socket. Carrément. Voilà. Donc voilà, il est super fun. Et puis on voit la position avec le putter, on voit cette position d'enfer. Donc, et puis on va pouvoir admirer par exemple un déhanché magnifique. Là je suis peut-être un peu fort là, mais alors vous allez pouvoir admirer aussi toutes mes compétences de joueur de shot online. Allez hop, je fais ça à l'œil. En plus ça lag vu que ça c'est en train de streamer en même temps, j'ai mon curseur qui lag. Donc je viens de faire ça complètement à la louche et vous avez pu voir ce magnifique déhanché avec le pompon derrière qui gigote. Je trouve ça merveilleux. Tu nous le vends bien, ton cerf. Et alors, le cerf, il a gagné dans un événement, alors, c'est ça? Alors, pour l'instant, il faut le chasser sur le score. Non, je pense que je vais, pour l'instant, comme je vous ai dit, j'ai pas encore bouclé les événements
les événements de décembre, mais je pense que il y aura des comme la dernière fois pour Halloween, il va y avoir sûrement des costumes à gagner pendant des événements. Oui, voilà, c'est ça. Ce sera pas des choses qui sont en vente, ce sera à gagner. Si, si, ben ça sera comme pour Halloween, c'était aussi disponible en vente dans la boutique, mais c'est vrai que bon, y en a eu beaucoup en jeu. Bon, c'est vrai que il y a quelques-uns. C'est vrai que ben après, pour le pouvoir le garder, c'est pratique d'en prendre un petit en stock. Mais bon, voilà, ça sera aussi disponible dans la boutique. Donc pareil. Alors au niveau stats, qu'est-ce que ça vous apporte celui-là? Celui-ci, c'est plus 3 talents. Et la vitesse de le costume Halloween. Pareil qu'Halloween. Voilà, c'est pareil que le costume d'Halloween, c'est plus 3 talents. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a une option off où on peut cacher aussi le costume. Oui, voilà, ouais. c'est ce que j'avais fait. Bon, là, on peut pas le désactiver. Parce que le problème, parfois, on se reconnaît pas dans les rooms. On a tous le même costume, on oublie de jouer. Donc, c'est vrai, voilà. Me fait. Comme je joue pas avec la sonnerie. Après, vous aurez une autre surprise, c'est que pour les filles. Pour les filles, c'est un bonhomme de neige. Et donc, mais j'ai pas de caractère féminin sur ce compte-là, donc je peux pas vous montrer. Mais voilà, ça sera la surprise du coup pour le bonhomme de neige. Ouais. On verra ça dans. Ah, la mère Noël, trop bon ça. Ça sera pas la mère Noël, ça sera le bonhomme de neige féminin. Voilà. Donc, pour ça, j'ai fait à peu près le tour. Ça, c'est pour les objets que j'avais. Donc, il y aura des vêtements, des balles, un putter XP et des costumes. Ça sera pour les objets liés à Noël. Et après, il y a un événement que je sais déjà que je peux vous dire. Vous avez vu peut-être sur le square qu'il y a le Père Noël qui vous dit « Pour l'instant, j'ai rien pour vous, mais rendez-vous le 1er décembre. Mm-hmm. » Ouais. Et c'est parce qu'au 1er décembre, il va commencer le calendrier de l'Avent. Donc ce que je vous avais expliqué hors antenne, et donc pendant le calendrier de l'Avent, vous allez pouvoir tous les jours recevoir une chaussette de Noël où dedans il y aura des cadeaux divers et variés. Et si vous êtes compte Gold, vous aurez deux chaussettes au lieu d'une. C'est-à-dire que vous pourrez cliquer sur un petit lien qui dira vous êtes compte Gold, récupérez une chaussette bonus, et du coup vous aurez deux chaussettes par jour. Oui, ne meurs pas tout de suite, Barnes. On a encore besoin de toi un petit peu. Un petit peu, désolé. Donc, dans un épent. Non, je rigole. Voilà, donc ça sera du 1er au 24 décembre, comme le calendrier de l'Avent. Et au 25 décembre, il y a toujours, sous le sapin, il y a toujours un cadeau. Donc, il faudra retourner voir le Père Noël sous le sapin le 25 décembre, pendant toute la journée du 25, pour pouvoir demander son cadeau au Père Noël. Beau D4. D5. Ça sera un Gothéia 4. Gothéia 4. Oh, Gothéia 4. Ouah, je n'étais pas loin. Ça veut dire qu'il offre un Gothéia. Le 25, il va offrir un Gothéia 4 à tous ceux qui vont le voir. Ouais. Et voilà, si tu vas voir le Père Noël pour demander ton cadeau, le 25, le Père Noël te donnera un Gothéia 4. Ça, c'est pas un beau cadeau. Un 250 coups, je suppose. Ça sera un 100 coups. Non, un 100 coups. C'est Noël, oh. C'est notre dernier Noël avant 2012, oh, oh quand même. C'est notre dernier Noël avant 2012. C'est combien de coups, Max? Ça se voit quand même avec les météos qu'on a sur le jeu. Donc ça sera un 100 coups, j'ai dit. Un 100 coups, d'accord. Bon, je remue pas le couteau dans la plaie parce que... C'est un beau cadeau. La météo est un gros sujet. Ouais, bon, ça sert à toi. Ouais, mais s'il y avait que des météos à zéro aussi, ce serait pas drôle. Voilà, oui, exact. Il n'y aurait pas de challenge. Ouais. Max, tu me permets de parler des événements qu'on a prévus pour la semaine prochaine? Tu peux y aller, vas-y, fais ta pub. Bah donc la semaine prochaine, nos amis Somme et modérateurs vont vous organiser un petit défilé Somme. Vous pourrez rentrer sur des parties avec mot de passe, que vous trouverez grâce au titre de la room. De là, vous rentrerez sur la room, vous jouerez contre le Somme ou le modérateur. Et ceux qui feront égalité ou battront le Somme gagneront un petit cadeau que pour l'instant on garde secret.
Je mettrai une information sur le forum avec les horaires des rooms et les sommes et modérateurs qui participeront à l'event ce jour-là. Voilà, voilà. Ouais, cool ça. Ça avait déjà été fait, c'était super sympa. Donc ça aura lieu le mercredi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Ah, donc, c'est voilà, cool, donc, ça. Du coup, vu que c'est organisé, parce que la dernière fois, c'est vrai que bon, j'avais chapeauté un peu tout. Du coup, c'est vrai que c'était plutôt en semaine. Là, on a eu une prise en charge du côté des SOM, et du coup, ça va couvrir un peu le week-end. Voilà, la différence d'habitude, c'est que là, au lieu que les questions soient marquées directement sur le jeu en haut comme les HIO, ce sera directement, faudra attendre en game list. Dès que la room sera créée, ce sera une question, donc avec un certain nombre de caractères. On vous précisera, je pense, si majuscule, minuscule, lettre, voyelle et ce qui s'ensuit, qu'il n'y ait pas de problème pour ça au niveau des confusions. Je pense que ça a déjà été vu, ce sera dans le règlement. Et ce sera le mot de passe de la room, comme ça a pu être fait il y a déjà pas mal de temps, et ça revient comme ça. Il n'y aura plus les questions au launcher, il faudra attendre en game list cette fois-ci. D'accord. Impeccable. Automatiquement. Donc voilà. Parfait. Et puis l'avantage par rapport à moi, c'est que du coup les SOM auront les cadeaux et pourront vous les distribuer directement après la fin de la partie. Ah, d'accord. Ouais. Donc du coup vous n'aurez pas à attendre. Voilà. Vous n'aurez et puis, pas à attendre. De cadeau. Ben oui, oui. L'art, le secret d'un bon maître, c'est de savoir déléguer. Et moi j'ai une question. C'est très bien. Si par exemple on a participé. Par exemple le mercredi pour le défi. Une participation par joueur et par compte. Voilà, non, mais si on a participé le mercredi, on peut quand même reparticiper jeudi, non, vendredi, non, samedi. Non, le but. Non. Le but de le faire sur plusieurs jours, c'est qu'un maximum de joueurs y participent en fait. C'est que tout le monde puisse gagner quelque chose. Tu connais le fonctionnement des défis SOM. C'est pas de se gaver, c'est de faire plaisir à tout le monde avec un petit cadeau. Ouais. Ça non, tombe bien, c'est pendant les fêtes. Quoi. Oui, voilà, mais c'est bien de demander au moins ceux qui coûtent, ils sont déjà au courant, mais ce sera précisé. C'est pour la semaine entière, c'est une seule boîte à gagner ou un seul cadeau à gagner, je sais pas ce que c'est, qui sera donc pour compte et perso, bien entendu. Voilà. D'accord. Pour les petits levels, ne vous inquiétez pas, hein, on est gentils les gros, hein, on n'est pas toujours méchants. Non. Ouais, il y aura Barnes qui jouera, donc ça sera facile. Je confirme. La dernière fois, il y a eu des beaux cadeaux. Max va m'équiper en Gibrador. Moi, je trouverais ça bien, Max. Tu peux nous équiper en Gibrador ou pas? Je peux te remettre niveau 1, Barnes, si tu veux. Non, tu touches pas. T'es top niveau 1, mais laisse-lui des CTL. Mais non, après, ça servira à rien, mais bon, pas grave. Non, mais bon, le but, c'est pas de vous mettre des tannés pour les petits levels, c'est de s'amuser et de gagner des bois boîtes. Bah, bien sûr. Des cadeaux. Pour faire plaisir, non. Très bien. Faut être bon hein, quand même. Sinon, tu pourrais faire un truc du genre si tu joues contre un level 50 ou moins, ou 60 ou moins, t'as pas le droit de jouer au-dessus du 8i ou quelque chose comme ça. Oui, par exemple, moi j'avais fait une année, j'avais fait 100 putter. Non, ou alors. Non, 100 SW. Non, ou alors avec un handicap. Oui, non, mais c'est le but, c'est après. Après, ça fait trop de calculs. Ou sinon, après. On sera pas méchant, vous inquiétez. Après, ce qui se fait beaucoup sur le serveur. Enfin, ce qui se fait sur le serveur allemand quand ils font ça en général, c'est qu'ils le font sans jouer sur le fairway. C'est un point de pénalité quand on touche le fairway, donc ils jouent que dans l'herbe haute. Bunker ou herbe haute. Donc c'est soit. Tout sauf fairway, tout est autorisé sauf toucher le fairway. Pas bête. Ah, c'est pas con ça, c'est pas mal. C'est pas bête. Ça pourrait être drôle. Donc apparemment c'est très fun, c'est une idée. Ouais, ou alors il pourrait jouer les yeux fermés aussi, ça serait pas mal. Ah oui, mais c'est plus dur à vérifier ça. Tout à l'oreille. Non, mais voilà. C'est une bonne chose, donc là on aura le Papa Noël. Après, le programme de décembre nous sera dévoilé avec le temps, vu qu'il n'est pas fait. Mais bon, tu nous prépares des belles choses pour Noël. Ouais, ça a l'air. J'espère. Ouais, oui. On va râler encore un peu, manière, on va maintenir quand même un peu la pression. Hein. Ah oui, mais faut toujours, vous le savez, je marche à la pression. Il faut bien animer ce forum, enfin. Eh oui.
Non, mais c'est très bien. Voilà, voilà. Bon, donc, ben, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Que dire Oui, alors, on m'avait dit de faire une dédicace. C'est Cabs. Alors, il pensait que j'allais oublier, mais... Ah oui, c'est vrai. Vu. C'est vrai, je m'en souviens. Il m'a dit qu'il fallait que je fasse une dédicace alors, je ne sais plus. C'était Monsieur et Madame... Monsieur et Madame Vigan, si, c'est ça. Ouais, Vigan, c'est, ouais. La famille Vigan. Le Vigan. Alors... Voilà. Alors c'est. Ils sont très gentils. Alors il y a le reste. Il y a le reste de la dédicace que je ne citerai pas. Mais si vous voulez retrouver, vous pouvez les rejoindre nos 879 fans sur la page Facebook. Ce n'était pas de la pub déguisée. Et voilà. C'est interdit aujourd'hui. Et oui, non, mais je ne suis pas à la télé, j'ai la libre antenne parce que je suis un podcast indépendant et je n'ai pas toutes les charges que l'on peut avoir à la télé. Voilà, moi et toutes les blondes à forte poitrine, vous pouvez m'appeler au 04 68 50. Ça y est, le message est passé. Si vous aussi, vous avez des messages à faire passer, n'hésitez pas à venir dans le téléphone rose de Shot On Live. Vous pourrez aussi vous... Ah, il est beau le maître de guide. Ah, il est bien, ouais. Voilà. Voilà à quoi vous attendre. Allez chez les Angèles. Voilà l'ambiance dans la guide. Eh ben... Non, ben, quand on voit le maître. C'est une émission sympa. On a vu 9 jolis trous et on a appris des petites choses. Bon, pour le tirage au sort, il y en a plein qui t'en veulent, mais c'est pas de ta faute. Ah, et voilà. Ben, c'est à moi le premier, cerf, mais bon. On a un cerf au milieu du soir, bon. Qui traîne à côté d'un sapin, mais bon. Mets-toi devant le créneau, Sanga, ça fera plus réel. Au moins, tu tires le Père Noël. Je tire le Père Noël. Ah ouais. Allez hop, bon, je viens devant le créneau. On va te prendre. Et voilà, ça y est. Tous en cerf avec. On va se mettre 6 devant le créneau, on va tirer. Ah, excellent, le trop beau. Bon. Donc, voilà, je tire le Père Noël. Les développeurs, ils ont bien trippé sur le sur, ah, oui, sur oui. Le perso là. Et tu peux pas te mettre à quatre pattes. Non, malheureusement, je ne peux pas me mettre. Assis-toi. Comment on fait pour s'asseoir? Alt 6 et tu relâches. Fais ouais, tu relâches 6. Avant qu'il retombe. Qu'il retombe. Alt 6. Bon, là, on dérive un peu et sur relâche. Les bords de l'émission. Ouais. On va passer tout le camping. Alt 6 et tu relâches avant qu'il retombe. Il faut relâcher avant qu'il retombe. Ouais, ça y arrive. Et toi, tu te vois pas assis. Ouais, non, autres... non, mais j'y arrive pas. Non, alors, je vois. Ce qui est génial, c'est que tout le monde se met à sauter autour de moi parce que tout le monde écoute en même temps. C'est magnifique. Allez, on fait la hola sur le square, c'est parti, tous en ligne. Allez, on saute tous. Allez. Ah oui, non, mais. Ah, il y a un faux peu pour amuser la galerie. Ah ouais, c'est un grand moment de télévision. On a fait un rendez-vous square en slip. Je peux te jurer que j'ai jamais vu le square aussi peu. Là, on regarde le cri général, regarde. Alors, je pense que s'il y en a qui n'écoutent pas, ils doivent se demander qu'est-ce qui se passe. Ils sont en train de faire une incantation indienne autour de l'arbre. Ils invoquent la pluie ou ils sont en train d'invoquer la neige. Je ne sais pas. Tu sais, si tu lances un appel, tu dis à tous ceux qui sont en train de sauter, prévenez vos guides, il y a un petit cadeau si vous venez me voir. Tu vas avoir 500 personnes au square. Et oui, mais bon, après, ça, je ne peux pas. À celui qui saute, allez. Je ne peux pas l'assurer, allez, moi aussi je saute. Pierre allez, Max, c'est parti. Arrête de sauter, t'en as déjà plein de D5. Ah mais bon, ce fut bien sympa. Qu'est-ce que tu nous proposes pour la quinzaine prochaine, alors, comme petite émission? Alors, eh ben, écoute, ça sera un peu la même chose. Je suis toujours ouvert, comme pour cette fois. C'est vrai que là, je demande encore un peu parce qu'j'ai pas trop de volontaires. Tout le monde est encore un peu timide. Mais si vous sentez l'âme de montrer vos talents ou de venir parler de votre guilde, n'hésitez pas à me contacter. J'étudie toute proposition. Les Green Power seraient sympas là. On aimerait bien les connaître. Ah bah, ça faut voir avec notre maître de guilde, petit Blue, il doit nous écouter. On m'a proposé aussi, pour les gens qui écoutent, ça peut être sympa, d'une émission spéciale réservée pour les Belges, parce qu'ils représentent pas mal la communauté sur notre serveur. Ouais, tout à fait. Oui. Moi, c'est vrai que je fais un appel, Serge Steve, si tu m'écoutes, je veux te recevoir absolument,
parce que tu fais partie de ces personnes qui me font rêver à chaque fois que tu postes une photo sur la page Facebook ou sur le forum. Donc je me ferai un plaisir de t'interviewer, Ster Steve, ça serait un vrai bonheur pour moi. Faites passer s'il n'est pas là, les clics, faites passer autour de vous. Une dédicace aussi à nos amis québécois, mais aussi, malheureusement qui n'ont pas du tout les mêmes horaires que nous. Et oui, oui. Nous nous battons aussi pour faire venir Francis dans l'émission, parce que Francis est un soleil à lui tout seul. Je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de parler avec Francis, mais quand on parle avec Francis, on a l'impression de parler avec un poète. Ça devient presque désagréable, on se sent toujours méchant à côté de lui. Ah ouais, non mais c'est vrai, hein, moi j'ai l'impression d'être un tyran à côté de Francis. Tu es un tyran. Ah oui, je sais. L'impression. Et tous les SMM et modérateurs le savent. Ouais. D'ailleurs, on a été forcés de venir à l'émission, je vous le dis. Vite, il faut qu'on aille poster. Donc voilà. Bon, écoutez tous, je pense que on a fait le tour. Il va être l'heure de nous quitter. Et voilà, un petit message, petit tour de table avant de terminer. Barnes, message de fin. Ça peut marcher, ça fait bizarre, mais ça peut marcher. Ben, écoutez, hein, une bonne émission encore, on a bien ri, ce fut sympa, des bons invités. Et voilà, on a vu un 9 trous bien compliqué, une guilde complètement différente de celle de la semaine dernière, qui a un fonctionnement très sympathique aussi. Et voilà, des petites idées qui vous donneront l'eau à la bouche, que c'est quand même beaucoup. On a vu un putter, on a vu des balles, on a vu des vêtements, donc ça fait encore pas beaucoup mal d'exclus. Tout ça. Pas mal d'exclus, donc on attend avec impatience la future émission qui sera dans 15 jours. Bon, et ben Niao, petit message de la fin. Un grand merci pour votre accueil, c'était super sympa. Et si des gens veulent venir dans notre guide, qu'ils aient un peu cette mentalité, qu'ils n'hésitent pas à contacter un sous-maître ou le maître, moi-même. Voilà, on les accueillera avec plaisir. Pas de recrutement direct. Justement, il est là pour ça. Voilà, il est là pour faire de la pub. Oui, oui, alors convivialité, amusement. Et puis, XP à l'occasion quand même un peu. Un peu, quand même. On va pas cracher dessus non plus. C'est quand même le but du jeu. Bon. Et puis nous avons ensuite Boys pour finir aussi qui a été notre artiste du jour qui nous a fait une magnifique performance sur Gleiger. Donc petit mot de la fin, Boys. Ouais. Moi je tiendrai à te remercier de m'avoir invité déjà. Oh. Après je remercie aussi Pierre Max aussi, que je veux remercier parce que c'est grâce à lui si j'ai pu vous montrer Gleiger. C'est lui qui m'a Qui t'a soufflé Gleiger. Voilà, c'est lui qui m'a fait aimer Gleiger, on va dire, parce qu'avant je détestais. Ouais. Puis voilà, un bonjour au CB, un bonjour au Green Power avec qui je joue beaucoup aussi, et un bisou à mon petit Barnes. Oh, c'est mignon. Sans ce personnage, je serais peut-être pas encore semi. Ah, très 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 bon joueur. Oui. On m'a sauvé la vie, j'ai été coincé à moins 4 sous un arbre au dernier trou dans le rough et il m'a sauvé la vie, donc je suis obligé de lui en devoir. Ouais. Ah oui, je m'en rappelle, on était chez les fondeurs. Toujours. D'ailleurs, d'ailleurs, jolie carte que tu as postée sur le forum. Waouh. Merci. J'en perds mon slip. Hein. Ah. Il avait trop de météo tout du long. Bon, Rêve Pro en a mis une belle après aussi. Ouais, il a. Alors, on a des j'espère que l'année prochaine on aura quand même ce GNGWC qui vendront bien de Shoot Online là-bas dans leur grand salon, quoi. Ce serait sympa parce que l'année prochaine il y aura du participant volontaire à se déplacer cette année. Ouais, c'est clair. Bon, et puis on va finir notre tour de table avec Pierre Max, notre quatrième participant. Notre grand animateur de soir. Je remercie tout le monde pour cette émission, c'était super sympa. Merci à Boyd pour les compliments. N'oubliez surtout pas la semaine prochaine le défi des sommes et je vais refaire bientôt un tournoi sauvage. Les infos seront sur le forum. Voilà, super voilà. Tournoi, ouais. Super cool. Ils sont... Merci nickel. À toi, Pierrot. Rien à dire. Merci. Mon ami jaune.
C'est moi qui vais faire le mot de la fin. Donc, mon mot de la fin sera non. Je vais clôturer mes infos car je sais que ça vous fait du mal de voir mon dessin et non, je ne le donne pas. Mon deuxième mot de la fin sera non, je n'accepte pas les demandes d'échange, Niao. Oh, et c'est pas juste. Et tu m'en fais perdre mon français là. C'est fou comme tu peux me déstabiliser, Niao. Je ne savais pas que ça pourrait arriver. Mais voilà, entre les blondes, perte de son slip, moi je sais plus où j'en suis. Et donc voilà, aussi, bah voilà, je vais vous faire aussi la petite pub pour tout le reste. Donc la page Facebook, on est de plus en plus nombreux, ça fait vraiment plaisir. Il y a beaucoup de monde qui commence à partager plein de trucs. Il y a une bonne ambiance. C'est vraiment sympa. Il y a Cabs qui nous poste des vidéos en ce moment. On a eu une vidéo aussi de François Lambrouille qui joue au golf. Je sais pas si vous l'avez vu. L'ambiance sur la page Facebook est quand même plutôt sympa. Sur Twitter, c'est un peu plus calme, mais il commence à y avoir de plus en plus de monde, c'est sympa. Et puis on a aussi une page sur Google+. Bon, là il n'y a personne, c'est le vide total, mais bon, c'est bien quand même, on a une page. Et voilà, donc conseil, c'est surtout, le principal, c'est quand même, ça reste la page Facebook, il y a quand même pas mal de monde. Il y a une bonne ambiance, ça permet de rester dans l'actualité très facilement, parce que bon, maintenant tout le monde est sur Facebook carrément. Et donc voilà, c'est une très bonne solution. Et puis on s'amuse bien. Il y a toujours un petit commentaire qui traîne. Et vous avez plus de chances de me trouver à minuit le soir. Parce que c'est vrai qu'à minuit, je regarde pas trop le forum. Mais bon, des fois, en général, quand je me promène sur ma page Facebook, je vois qu'il y a une alerte sur la page Shot Online. Et je vais y répondre des fois. Donc voilà. Et voilà, mettre en favori toute cette petite page, la page Ustream, le site de Shot Online et la page aussi de Facebook. Il faut mettre en favori tout ça. Cliquez sur j'aime, aimez-nous, donnez-nous de l'amour. L'amour c'est beau. Je sais pas quoi dire d'autre. Et voilà. Et puis on se donne rendez-vous à dans 2 semaines. Et pour plein de nouveautés, il va y avoir les annonces du mois de décembre très prochainement. En commençant par, comme je vous l'ai dit, ce calendrier de l'Avent. Et voilà. Félicitations encore à ceux qui ont gagné à la loterie. Ça sera un calendrier sexy ou... ça sera, tu le vois sur le square, ça sera notre ami le Père Noël qui se touche la barbe, qui va faire le calendrier lui-même. J'aimerais bien voir voilà. Tous les meilleurs joueurs en tenue un peu olé, quoi. Oh. C'est un jeu tout public, voyons. Il ne faut pas dépasser certaines limites. C'est vrai, les calendriers des rugbyman, c'est tout public aussi. Ah, je ne sais pas. Nous n'allons pas. Cela ne nous regarde pas. C'est un certain sur les échanges, dis donc. Oui, c'était quoi ça? Il est en train de bouffer son micro. Ça, c'était une attaque. C'est qui vient de manger son micro? Alors oui, la faim, il commence à manger son micro. Donc, c'est l'heure de bien, moi. C'est vrai. Donc voilà, et dernier petit message, je suis désolé pour toutes les demandes d'amis et tous les messages privés auxquels je n'ai pas répondu et toutes les demandes d'échange surtout auxquelles je n'ai pas répondu non plus. Parce que déjà, ce n'est pas mon perso principal, donc c'est un perso de test, donc ça ne sert à rien que je vous ajoute en ami. Et parce que je suis quasiment jamais avec lui, à part pour faire les lives, parce que ça me permet de rentrer sur tous les parcours. Ouais, mais bon, l'échange, il marche quand même. Allez, assure. L'échange ne marche plus. L'échange ne marche plus. T'as un bug. Après, oublie, ça marche pas. Vous voyez que c'est pas un perso normal, parce que c'est un perso niveau 102. Donc voilà, je pense que ça fait 1h50 que nous sommes en train de parler. Ça devient de pire en pire. Je trouve que, parce qu'au début c'était censé faire 45 minutes, 1h, et puis bientôt, d'ici la 4e émission, nous serons sur un format de 2h30, et c'est là que c'est bon. Je vois une 4L 250 000 km. ne passe plus au contrôle technique, c'est à rouler dans un champ. donc voilà. Bon, c'est toi, on attend ton mot de la fin, Max. Hein.
Eh ben oui, c'est moi qui, ouais. qui rallonge. Et donc voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt, à dans 2 semaines, bon golf à tous, et surtout une très bonne soirée. Allez. Merci. Merci. Allez, ciao tout le monde. Bye bye.